Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous faire l'honneur dans le cadre de cette édition de Grand Salon qui va poursuivre le chemin ce soir en parlant de l'alternance acte 2. Aujourd'hui, nous recevons un invité, une personnalité politique, pour parler d'autres concernant la question de l'alternance à la magistrature suprême au Cameroun. Et cet invité, c'est Valère Bertrand Bessala. Il est le guide, pas moins, le guide du parti Jouvence. Ce soir avec lui, nous allons parler de l'aspect qui concerne la théorie du complot en parlant de l'alternance politique au Cameroun. A tout de suite. Alors, nous allons aller vers notre invité pour qu'il prenne place sur ce plateau, le Grand Salon. Valère, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jouvence. Et merci de nous avoir fait l'amitié, l'honneur d'être parmi les téléspectateurs du Grand Salon ce soir pour parler d'une question pour laquelle nous pensons que vous avez quand même une certaine maîtrise. Merci beaucoup, je suis très ravi de l'invitation et puis je félicite votre brillante équipe qui m'a accueilli déjà avec beaucoup de brio et votre merveilleux studio à Yaoundé. Ravi que vous soyez à Yaoundé parce qu'on voulait justement LTM à Yaoundé. Et bien vous êtes là, nous espérons que la scène politique sera davantage satisfaite par l'agrément des débats. Merci d'être là, nous allons vous accompagner à votre fauteuil qui vous attend de l'autre côté. Merci beaucoup. Prenez place. Ça se passe bien? Bien, bien, merci, bien. Mais certains invités arrivés ici, c'est pas toujours facile. La route était dégagée quand même. Ben, des bouchons par-ci, par-là, mais bon, c'est la ville aussi. La ville s'agrandit et puis l'activité humaine, les activités, les retours des parents et des travailleurs dans leur domicile, c'est normal, c'est normal. Mais il faut seulement, quand on a rendez-vous, surtout avec vous, il faut être à l'heure, on quitte un peu plus tôt parce qu'on doit toujours prévoir ces genres de choses-là. En tout cas, une fois de plus, merci d'être là. Nous allons faire l'émission dans ce salon. Vous êtes à l'aise? Parfaitement à l'aise. Madame, monsieur, nous allons prendre le premier élément de cette émission. Le premier élément va porter sur le portrait de notre invité, que moi, je ne saurais présenter au regard du profil de l'homme. Et le portrait de ce soir, c'est comme tous les soirs d'ailleurs, dans le cadre de cette émission, le Grand Salon, c'est avec Armand Brice Ngomo. Véritable écrin de réflexion et de débat, le Grand Salon, avec son décor VIP, est déjà bien connu des grands penseurs. Ce jeudi, c'est au tour de Valère Bertrand Bessala d'avoir son round de serviette dans ce rendez-vous hebdomadaire vitaminé. Son parcours questionne les représentations sociales, politiques et culturelles du bon gouvernement. Oui, sur ce chemin-là, monsieur l'administrateur civil a fait des pirouettes entre l'être rugueux et le paraître apaisant. Il a exercé sa fonction régalienne en tirant des bords dans l'administration camerounaise. En somme, dans son département, il a manié la carotte et le bâton, heureux d'incarner l'art de plaire pour adoucir la nécessité de déplaire. Tout fier d'avoir à se mettre en scène et à orchestrer un cérémonial, il a œuvré pour familiariser le pays avec la haute fonction publique pour gouverner souplement plus qu'administrer sèchement et cultiver ainsi un brin d'harmonie dans un pays qui ne demande qu'à être uni. Avoir été premier adjoint préfectoral de Marois, région de l'extrême nord, département du Diamaré, puis sous-préfet et inspecteur de l'administration préfectorale a certes été une bonne école de réformisme pour ce fin tacticien. C'est lui qui fut autrefois au service du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à recouvrer sa sérénité qui le retrempe dans son parti politique Jouvence. Il continue à porter la parole d'une profession et les engagements d'une conviction. Il sait qu'il ne peut atteindre ses buts sans déployer un art de séduire, recherche d'une adhésion du peuple, de la jeunesse. Comme tout leader, il est aux avant-postes de cette conquête de cœur qu'il définit à travers le slogan « La jeunesse camerounaise en politique ».
Le travail est immense, mais le guide de Jouvence n'est pas l'homme des petites tâches. Depuis lors, il a entrepris ce travail titanesque et il tient bon. Il a l'opiniâtreté des génies. Par cela seul, il attire le respect et l'admiration. Devant les irrespectueux, il est irrévérencieux. Son grand défi, c'est la défense des institutions républicaines. Valère Bertrand-Bessala n'a de cesse de dénoncer ces rabat-joie qui tournent ses propos en dérision. Il est un authentique Camerounais, resté fidèle aux principes de son pays. Valère Bertrand-Bessala, c'est une connaissance profonde de l'actualité camerounaise. Il peut aussi bien vous parler de sport, culture, société ou religion. Aucun aspect de la pensée ne le rebute. Il est à l'aise dans la politique comme un poisson dans l'eau. C'est un communicateur hors pair. Il s'est enseigné avec brio. Même dans la controverse, il ne devient jamais méprisant. Il a le souci du respect de la personne. À la moindre tempête politique, administrative ou judiciaire, son naturel rigoureux et son laconisme apaisé font le bonheur des plateaux télévisés. Un tête-à-tête, un invité soumis aux règles du match de l'interview. Valère Bertrand-Bessala face à Joly Koum dans le grand salon en direct sur la télévision du monde. Bienvenue. Alors, Valère Bertrand, vous venez de suivre ce coup de pinceau de Armand Brice, de notre rédaction. On donne généralement la possibilité à l'invité d'y enlever ce qui mérite d'être enlevé ou d'y ajouter ce qui n'a pas été dit. Ben, il a dit beaucoup de choses. Je crois qu'il a eu beaucoup de difficultés parce qu'il est tombé justement dans ce que je fais depuis. Et c'est ça mon objectif. C'est-à-dire j'ai fait un blackout sur ma personne parce que j'estime que ma petite personne ne sert à rien. Donc c'est pour ça que vous verrez difficilement quelqu'un avoir des éléments profonds sur ma petite personne. Et donc, il est tombé dans cette affaire et c'est normal, mais il a fait beaucoup d'efforts. Il a fait beaucoup d'efforts parce que le combat que j'ai engagé avec tous ceux qui me suivent dans cette activité politique-là est un combat de noble cause. Et la cause, c'est le Cameroun, la cause, c'est la jeunesse. La jeunesse qui doit prendre le pouvoir après le président de la République, c'est hyper important. Donc pour moi, je ne suis pas partisan de la déification. C'est-à-dire que quand vous entrez en politique, vous êtes un leader, il faut qu'on vous célèbre comme un dieu partout parce que vous voyez, le nom même que vous avez, c'est le guide. Il y a tellement de présidents en politique que vraiment, j'ai préféré... Justement, j'allais vous poser la question parce que nous avons des présidents, nous avons des secrétaires généraux, on a même connu des coordonnateurs. Et puis aujourd'hui, on a même vu un secrétaire, des secrétaires, ainsi de suite. Oui. Et aujourd'hui, vous parlez de guide. Pourquoi ce choix? Oui, donc avant d'y arriver, c'était pour dire qu'en fait, il a fait beaucoup d'efforts. Il a fait beaucoup d'efforts. Mais j'ai été préfet adjoint à Marois, sous-préfet par intérim. C'était toujours dans la région de l'extrême nord. Ensuite, je suis revenu comme inspecteur régional chargé de l'administration préfectorale dans les services du gouverneur à Garoua. Mm-hmm. À Garoua. Et c'est de là donc, que je suis parti pour revenir au ministère. Où je suis assis justement sur un tabouret, ça ne me dérange pas. Mes activités politiques sont incompatibles avec les fonctions du commandement. Tout à fait. Parce qu'il ne peut pas avoir un sous-préfet, préfet, gouverneur ou un collaborateur de gouverneur qui est guidé d'un parti politique ou président d'un parti. Mmh. Donc c'est incompatible, donc c'est normal là où je me retrouve. Si vous arrêtez de faire la politique? Non, je suis un toujours... Un jour, vous arrêtez de faire la politique? Oui, j'ai prévu de faire la politique pendant 12 ans. Vous savez, j'ai engagé cette affaire en 2019 quand j'avais 38 ans. Donc, à 50 ans, j'aurai achevé. C'est ce que je dis toujours à mes gars en politique. Qu'ils profitent de moi. Oui, oui, je lance l'affaire. Et à 50 ans, j'ai achevé. Je laisse la politique et je passe à autre chose. Je m'occupe de moi-même et puis de ta famille et tout le reste. C'est comme ça. Donc, il me reste exactement 9 ans en politique. Donc, et c'est ce combat-là que je suis en train de mener aujourd'hui. C'est-à-dire que 2025, la jeunesse au pouvoir. J'accompagnerai encore peut-être 5, 6 ans ou 7 ans, du moins mes 50 ans, et ce sera terminé. On aura l'occasion de revenir sur tous ces détails, et probablement au cours de nos échanges pendant cette émission. Est-ce que ce n'est pas un homme politique qui parle? Au sens de la compréhension de la politique dans notre environnement. Ben, c'est beaucoup de choses, vous savez. Ce que vous venez de dire là, un petit programme de votre parcours politique avec une échéance bien connue, est-ce que ce n'est pas pour l'instant un discours d'un homme politique, tout simplement? Non, moi je n'ai même pas encore déroulé quoi que ce soit. Je lis partout des gens qui veulent... Je me limite à ce que vous venez de dire sur ce plateau. Bien sûr, je comprends bien votre appel du pied, mais je dis qu'en fait, les gens s'attendent à ce que je leur dise où est-ce que je vais, quel est mon programme, quel est le projet. Non, moi, c'est le programme du parti.
Maintenant, si les gens veulent un projet, ils vont attendre. Moi, je ne suis pas candidat à rien du tout. C'est ça que je dis aux gens tous les jours. Vous allez C'est-à-dire aussi que faire. je n'ai pas l'intention d'être président de la République, d'être sénateur ou député. Je ne veux pas de strapontin. D'ailleurs, j'ai quitté le commandement territorial avec tous les honneurs. Vous ne payez pas le loyer. L'État vous loge. Vous avez de l'eau, vous avez le courant. Tout est gratuit. À forme la grosse voiture. J'ai laissé tout ça. Ce n'est pas pour encore aller chercher autre chose. Donc vous comprenez que si je voulais vraiment tout ce bonheur-là, ces privilèges et ces avantages, je serais resté certainement là où j'étais. Vous Peut-être que vous comprenez? voulez plus grand et qu'en restant là où vous Mais on étiez. peut aussi avoir plus grand en restant là-bas. C'est vrai ça. Justement, quand vous êtes déjà dans le pipe, vous êtes à un doigt de préfet, vous êtes à un double doigt de gouverneur, vous êtes ainsi de suite. Si Dieu vous bénit, vous pouvez aller plus loin. Et Dieu seul sait d'où je sors, Vous Monsieur n'êtes Jolicoeur. Je sais que vous me connaissez, vous êtes un frère dans cette affaire. Vous savez que je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche, mais de ma famille, on est dans le RDPC d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi vous n'y êtes pas? Et je n'ai jamais milité dans le RDPC. Très bien, on aura l'occasion d'y revenir, le Voilà. temps peut-être de poursuivre cette émission en prenant l'élément suivant. L'élément suivant, c'est de donner la parole à des compatriotes et de leur demander de donner leur avis, de participer à l'émission, notamment au thème du jour, quand on leur parle de l'alternance et en évoquant l'angle sous la théorie du complot. Parce que nous ne l'avons pas suffisamment relevé pendant l'introduction de cette émission, c'est l'angle sur lequel nous allons abonder. Bien entendu, nous allons parler d'autres aspects liés à cette thématique. Alors, nous constatons quelque chose, c'est que il y en a encore, ils sont les plus nombreux, en tout cas ceux que nous avons rencontrés à travers nos reporters, il y en a qui ne souhaiteraient pas aborder la question, qui expriment une sorte de crainte. Vous comprenez ça? Cette réserve? Bien sûr, vous savez que le Camerounais a été forgé au fer. Il a été ferré pendant près de 60 ans, un peu plus, c'est-à-dire depuis la veille des indépendances. Il a été ferré par le colon, il a été lynché, il a même versé du sang de ses enfants et de ses fils, la période du maquis, pour vous en souvenir. Et il a pris des leçons de ces époques. Et il a changé sa façon de voir son propre pays. Il a changé sa façon d'être. Et il a même aussi changé sa façon d'aborder les sujets qui concernent sa propre vie. Ajouté à cela, il faut aussi poser la question même du traitement du politique envers le Camerounais. Vous savez que la loi de 1962 sur la subversion, du temps du président Baba Toura Ahidjo, justement, interdisait à qui que ce soit de faire ce que vous et moi nous faisons, c'est-à-dire de parler de politique, de parler des sujets qui nous émeuvent, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment très tenu à cette période-là. Et avec les lois de 90, sous le président Paul Biya, on a un peu ouvert. Mais n'empêche que la violence a changé de mode operandi, c'est-à-dire de modus operandi, c'est-à-dire de mode opératoire. C'est-à-dire que sous le président Ahidjo, c'était vraiment, en quelque sorte, entre guillemets, la barbarie. C'est-à-dire qu'on pouvait vous éteindre de la vie publique, vous pouvez disparaître, ainsi de suite, comme nos parents ont l'habitude de nous le dire. Mais sous le président Paul Biya, il y a un autre type de violence, elle a été un peu plus racée. C'est-à-dire que si vous êtes un agent de l'État, on peut vous mettre suffisamment dans vos petits souliers pour que vous ne vous taisiez à tout jamais. Si vous êtes un opérateur économique, on peut vous matraquer dans vos activités par les impôts, la pression fiscale ou ainsi de suite, vous accrochez, vous jetez la clé sous le paillasson. Si vous êtes un individu lambda, ainsi de suite, n'importe quoi peut vous arriver à tout moment. Vous voyez? Pourtant, les lois de 90 sur la liberté et les libertés sociales sont là. Donc, c'est ça qui peut justifier que le Cameroun aujourd'hui est devenu un peu trop intelligent. J'appelle cela l'intelligence parce qu'en fait, c'est dans la douleur, dans la difficulté, en fait, que vous développez d'autres facultés qui parfois n'ont rien à voir avec ce que le commun des mortels peut considérer comme avantage ou comment dire, ou privilège de savoir. C'est dans cette difficulté-là qu'on reconnaît les grands peuples. Il faut regarder en Afrique, les peuples qui ont souffert, c'est là-bas qu'on retrouve justement les hommes les plus intelligents et qui ont un quotient au-dessus de la moyenne en Afrique. Et le Cameroun en fait partie, parce qu'en fait, le Camerounais sait s'en sortir dans toutes les situations, et cela date du passé. Alors, quand vous finissez de faire ce descriptif, j'ai envie de vous demander, on prend beaucoup de temps à échanger alors qu'on devrait prendre un élément qui suit, mais nous sommes au salon, on est libre, hein? On va à notre rythme, quoi. Je suis à votre disposition. Alors, quand vous finissez de parler là, le Camerounais est devenu intelligent. Mais on voit des gens qui abordent des questions, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure.
On voit des gens qui abordent des questions sensibles. Et aujourd'hui, vous en faites partie. Vous ne prenez pas trop de risques? Ben, vous savez, la politique, c'est le risque. C'est le risque. Le seul fait que j'ai quitté tous mes avantages dans le corps de métier auquel j'appartenais, le commandement territorial, c'est déjà un risque. C'est déjà un risque. Je me souviens quand j'ai décidé de me lancer en politique, les aînés me disaient toujours, qu'est-ce que vous allez faire dans la boue? Qu'est-ce que vous allez faire dans cette boue? Parce qu'en fait, pour eux, la politique, c'est dans le parti au pouvoir. Si vous décidez d'aller en face, eh bien, vous êtes perdu. Et qui plus est, vous abandonnez toutes ces fonctions, tous ces privilèges-là, et ainsi de suite. On vous prend pour les cervelés. Donc, j'ai accepté de l'être. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous êtes un infiltré? Ben, on dira tout. On se comprend. On a bien sûr, bien sûr. Mais il faut dire, soyez clair, monsieur Koum. Je sais, je ne vous connais pas la langue de bois. Vous savez que quand vous m'invitiez, je vous ai dit, je parle de tout. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, dites les choses telles qu'elles sont. Non, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Que c'est un parti politique créé par le parti majoritaire ou certains de ses maillons essentiels. Ils peuvent le dire. Pour les besoins de la cause. Ils peuvent le dire, quitte à eux, mais pour l'affaire du Parti Jouvence, vous savez, votre mission, c'est 1h30, on n'aura pas assez de temps, mais je vais résumer. Le Parti Jouvence naît justement en 2019. On dépose les documents auprès des services de M. le gouverneur de la région du centre le 21 janvier 2019. Et selon le texte de 90 sur les partis politiques, il est dit qu'au bout de 90 jours, si le ministre de l'administration territoriale, qui justement est celui en charge des partis politiques, n'a pas répondu. Le silence vaut acceptation et donc on existe. On a attendu justement. Et le 22 avril, on a constaté par voie d'huissier, servi au ministre, qu'effectivement, il n'avait pas répondu et que nous, on existait. Et on avait déjà la pression que justement, en 2019, les élections étaient prévues pour le mois de juin ou juillet, quelque chose comme ça. Et donc, on avait la pression parce qu'il fallait absolument qu'on se mette en mouvement. Donc, on s'est mis en mouvement. Je me souviens, à cette période-là, on avait même repoussé en novembre, après on a repoussé en janvier 2020, vous vous en souvenez. Mais nous sommes allés aux élections parce qu'on avait saisi l'ECAM, je me souviens, l'aîné qui est le président du conseil électoral, et puis aussi l'autre aîné qui est le directeur général, je les avais saisis personnellement. Je leur ai dit, voilà, on n'a pas eu le papier, et je leur ai servi tous les papiers, du moins, de la demande au gouverneur avec les espoirs du CIE et la constatation des délais de 90 jours. Et c'est comme cela qu'ils nous ont admis à concourir aux élections de 2020, législative municipale. On n'avait pas assez de moyens puisque j'investissais tous les moyens que j'avais dans cette affaire-là. Avec mes gars, on est allé dans la ville de Soie aux élections contre le RDPC. On n'avait pas le papier du Minat. On n'avait pas le papier du Minat parce que quand les gens racontent ce qu'ils racontent, je ne sais pas, il faut qu'ils s'outillent. On est allé aux élections sans le papier du Minat. On a fait un score de 19,65% face au RDPC. Et je me souviens qu'à cette période-là, mon frère qui est au PCRN, Cabral Libi, on avait voulu faire une coalition, mais ces gars n'étaient pas très près sur le terrain. Mais avec mes gars, on a continué, on a bouclé la liste. Le papier du Minat arrive rien que l'année dernière, en 2021. C'est le 6 avril qu'il a signé le papier. Nous, on existe depuis. Je suis déjà en activité depuis. Donc, pour ceux qui le disent, je pense qu'ils ont leur réponse. Bien, nous allons continuer cette émission en prenant donc quelques réactions. Juste peut-être parce qu'on peut y tirer une ou deux choses et parce que c'est une rubrique consacrée à cette émission. Le Vox Pop. S'il s'agit d'institutions, je pense que chacun sait dans la vie ce qu'il recherche. Et quand vous avez une institution, je ne m'y connais pas trop. Si je parle dans mon domaine, par exemple, lorsque je mets ma théorie, c'est effectivement parce que j'ai des objectifs à atteindre. Et tout cela dépend, tout cela va demander des sacrifices, des grands efforts, des recherches, un travail efficace et toujours à revoir et s'attendre aux échecs, car c'est à la base de tout ça qu'on peut réussir dans ses propres théories. Si ça visait les institutions, moi je penserais que comme l'État du Cameroun en question, nous tous nous connaissions que lorsque un État a un programme, et dans ce programme, on est voué à la réussite ou bien à l'échec. Et maintenant, donc, si ça va dans ce sens, nous pensons que si c'est une complicité pour que l'État a échoué,
Bon. La théologie du complot, pour moi, c'est un stratagème utilisé par plusieurs personnes pour aboutir à leur but, à leur dessein. Le cas du Cameroun, je vois ça dans sous l'angle politique. Les politiciens peuvent utiliser cette théorie contre le gouvernement. Tout est dans le but, dans la production, dans l'intention de mettre le Cameroun KO. Lorsqu'il s'agit de l'alternance, généralement, c'est une pratique qui oriente vers ses intérêts propres, c'est-à-dire le partant se fait remplacer par celui à qui, selon lui, a le contrôle. Alors, j'ai tendance à dire, monsieur le président, on va dire quoi? Le guide. Vous voyez, c'est un micro-trottoir qui n'est pas dense, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens ne voulaient pas s'exprimer sur la question. Mais il y a des expressions quand même qu'on retient, hein, sur ce qu'on vient de suivre là. On parle de quand les gens se mettent dans une théorie de complot, c'est pour détruire, c'est pour... peut-être qu'on commence là à parler, et vraiment, nous sommes au cœur du débat qui nous regroupe ce soir sur ce plateau. On a parlé avant vous de la théorie du complot, on a parlé du complot scientifique. Vous avez certainement connu Feu Atiba Yéné, il n'était pas seul. Même avec le professeur Mathias Owonanguiné, à une époque, la thèse a été évoquée. Le professeur Messanga Nyamdi en a parlé. Il y a longtemps donc qu'on parle de cette question au Cameroun. Aujourd'hui, on en reparle avec emphase. Il y a une différence entre ceux qui en parlaient avant et ceux qui en parlent aujourd'hui, par exemple, comme vous. Commençons par là. Ou alors, c'est la même chose. Non. Ça a la même tonalité. Non, la différence, ça dépend. Tout dépend de là où vous voulez situer la différence. Si c'est dans la qualité du discours, peut-être il y a une différence. Si c'est dans les mots choisis, peut-être il y a une différence. Si c'est dans le ton, peut-être il y a une différence. Si c'est dans l'impact. Si c'est dans le timing, c'est-à-dire que cette période, ça m'intéresse. C'est-à-dire de 2018 à 2025, il y aura forcément une différence. Là, vous voyez que. La différence à ce niveau-là m'intéresse et vous l'expliquez comment? Voilà, donc je vais d'abord dire que je vais rendre hommage à mon grand frère Feu Atiba Yéné, qui était vraiment mon grand frère parce qu'on se retrouvait à Verbatim. Ouais. Cette émission que présentait votre collègue, M. Kiek de Kiki. Et qui présente d'abord, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, parce que je suis, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Donc, on se retrouvait parfois quand il était encore quelque part là, sur la rue des Sources, là, et la radio qui est là. On se retrouvait souvent après, il fait, ben, il est né, le grand frère, il aimait voir le coca. Je me suis dit que tu vas mourir de coca, grand frère. Il me disait que c'était ça, son dada. Donc, et on parlait souvent de ces choses-là. J'appréciais sa verve, j'appréciais son franc-parler. Mais je lui disais souvent aussi une chose, c'est que tu es trop brutal. Il est trop brutal parce que lui, vraiment, il s'était enfonceur, il était brut. Et puis, le moment était tellement, je ne vais pas dire mal choisi parce que lui seul savait, il était dans le parti, il savait pourquoi il le faisait. Mais le moment, pour moi, n'était pas le bon. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, il est le bon. Le président n'avait pas encore vraiment besoin d'un certain type de son de cloche. Parce qu'en fait, il semblait encore, je dis bien, il semblait encore pour finir certaines choses. Donc, en fait, Atiba Yéné, c'est mon aîné, je tenais à lui rendre hommage. Et je crois que. Je voudrais bien aussi être fier de lui parce qu'en fait, il m'a inoculé beaucoup de choses, il m'a inculqué beaucoup de choses. Et vous dites qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour en parler, le timing s'y prête. Bon, je ne dis pas que c'est le timing. Ben, peut-être que vous saurez si c'est le timing après. Bon, il y a l'aîné Mathias Owonanguiné. Il a élaboré longtemps dessus, longuement dessus d'ailleurs, avec la théorie du complot et tout ce que vous savez. Donc, la thèse scientifique du complot qu'il a évoquée, elle tient. Elle tient, elle est même d'ailleurs vérifiable et plus que vérifiable aujourd'hui. Donc cela n'a jamais changé. Sauf que peut-être ce complot s'est complexifié avec le temps et s'est même accéléré dans ce mécanisme et dans sa mobilisation au compte tenu ou au vu alors de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les logiques d'alternance et de succession qui toquent à la porte. Donc c'est ça la grande logique aujourd'hui, ça n'a pas changé. Pour ma part, moi j'ai adopté un certain discours. En fait, le complot ne fait pas partie de mon discours régulier.
C'est simplement que les sujets que l'on pose sur la table lorsque je suis sur un débat m'amènent toujours à partager avec ceux qui m'écoutent et ceux qui nous regardent ma vision des choses à partir des savoirs que j'ai de la machine. Et c'est ça, en fait, qui arrive toujours à sortir certains éléments de preuve analytique, bien sûr, sur cette affaire-là. Le professeur Mathias Onang en sortait déjà en son temps. Le frère Tebaye en sortait en son temps. Moi, j'apporte juste d'autres éléments qui sont liés au système. Parce que ma particularité, c'est que je suis un fils du système. Je suis un produit du système. Si j'ai été formé à l'ENAM, j'ai fait l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, je suis passé par l'ESTIC, je suis passé par Yaoundé, Dieu soit. Donc, j'ai fait tout le pourtour du système, même sur le plan professionnel. Et je suis allé dans le système, dans le monde professionnel qui est le plus délicat, c'est-à-dire le commandement territorial. Parce que c'est là-bas qu'on apprend à être au contact de la population. C'est là-bas qu'on touche le Cameroun du doigt. Je n'ai pas beaucoup travaillé dans un ministère où vous allez grappiller les bouts de papier avec des stylos et puis vous allez décider du sort d'un individu qui se trouve à 800 km ou à 1000 km de vous, sans même avoir jamais mis les pieds là-bas. Moi, j'ai mis les pieds là où ça faisait mal aux populations, là où les populations se trouvaient dans l'indigence. Donc, j'ai touché du doigt le Cameroun. J'ai vu donc le politique à partir du bas. J'ai vu ce qu'on appelle l'élite camerounaise. J'ai vu ce qu'on appelle la couardise de l'élite camerounaise. C'est-à-dire ces gens-là qui quittent leur village dans l'extrême nord, le nord, viennent à Yaoundé et disent au président, tout va bien. Tout va bien, nous tenons les populations. Ils demandent même l'argent pour les populations entre Garoua et entre Yaoundé et Garoua, ou entre Yaoundé et Maroua, l'argent a disparu. Les populations se retrouvent toujours comme cela dans la dèche et dans des mouroirs quotidiens, c'est-à-dire le manque d'eau, la famine, ainsi de suite. C'est ça, moi j'ai vécu tout ça. En tant qu'autorité administrative, qu'est-ce que je n'ai pas fait sur le terrain ? Parfois même prenant de mes propres ressources qui étaient déjà maigres, que je n'avais pas, pour parfois aider les populations. Donc c'est de là-bas que je sors. Ça fait que quand je reviens à la centrale et que je viens parler de la politique, que je viens parler du pays, j'ai cela en moi, c'est-à-dire la passion de la population qui souffre, mais surtout de cette jeunesse-là, qui espère toujours qu'en fait, le fer de lance deviendra la main de lance, parce qu'en fait on l'a toujours utilisé comme le fer de lance. Elle aussi, elle sera la main de lance de son propre avenir. Alors, nous sommes dans le sujet. Lorsque vous parlez de l'alternance aujourd'hui, c'est normal, comme on en a parlé il y a quelques années ou dans le passé. Lorsqu'on parle de la théorie du complot, il faut qu'on puisse l'expliquer, parce que les gens parfois le saisissent mal ou bien ne comprennent pas toujours ce qu'il y a derrière. Vous avez parlé, il y a des gens qui ont parlé de un complot scientifique. Il y a des gens qui disent qu'il y a des gens, il y a d'autres responsables autour de l'appareil du pouvoir. Il y a des gens qui ont des appétits depuis des années. Vous vous souvenez des années 2011 où on a parlé du G11 que d'aucuns ont qualifié de nébuleux. C'est quoi cette théorie du complot que l'on la présente sous la forme complot scientifique ou autre? Qu'est-ce qu'on doit entendre par là, clairement? Disons les choses simplement. C'est-à-dire que le complot, c'est juste l'aboutissement ou le presque aboutissement d'une conspiration sur une situation. C'est-à-dire que c'est la manifestation même des appétits d'un individu ou d'un groupe d'individus sur une position, en fait, qu'ils n'ont pas encore ou qu'ils convoitent. Expliquons le complot comme cela. C'est-à-dire qu'ils décident donc de multiplier des mécanismes, des méthodes et de mettre des moyens pour atteindre l'objectif qu'ils convoitent. Si je l'ai expliqué, je suis en théorie. Mais dans la pratique au Cameroun, ça veut dire quoi? Tout autour du trône ou du siège du prince, c'est-à-dire la place du président de la République. Quand on parle de complot, c'est aussi simple que ça. Le complot tourne autour d'une seule chose, la longévité de Paul Biya au pouvoir. C'est-à-dire que Biya est resté tellement longtemps au pouvoir, là n'est pas mauvais, mais avec les mêmes gens à chaque fois. C'est-à-dire que depuis 82 à 80%, ce sont les mêmes gens qui l'accompagnent. Et j'explique d'abord l'affaire socialement pour que tout le monde me comprenne. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une communauté et que quelqu'un vous a toujours dirigé, c'est-à-dire qu'il est toujours président de votre association, disons ça comme ça, et vous êtes toujours trésorier, vous êtes toujours SG, vous êtes toujours conseiller, éternellement président, vous éternellement trésorier, à un moment vous vous dites, on s'ennuie, tout le monde veut aussi le siège. C'est la même chose avec ce pays. C'est la même chose. Et vous savez qu'avec le temps,
ils ont occupé les mêmes positions pratiquement, c'est-à-dire ils changeaient juste les postes de ministres et puis ils allaient parfois au quartier, ils revenaient. Ils ont aussi accumulé beaucoup de moyens. À la fin, il ne leur reste plus qu'une seule chose. L'argent, ils l'ont déjà. Les privilèges, ils les ont déjà. Les populations même, ils peuvent les acheter, ainsi de suite. Il ne leur reste qu'une seule chose, c'est le dernier siège. Ce qui fait encore le complot, là, c'est le deuxième élément, c'est que Biya semble ne plus faire leur affaire. C'est-à-dire que Biya qui leur laissait passer beaucoup de choses. C'est-à-dire, il mettait la main dans la caisse, il n'en attrapait pas. En 90, il demandait à Garga, à Manadi, où sont les preuves? Vous vous en souvenez, avant qu'il ne démissionnât du ministère de la fonction publique. Et puis, subitement, il décide en 96, 97 notamment, de prendre d'abord celui qui était candidat challenger, son challenger à l'élection, enfin, qui avait annoncé sa candidature. Suivez mon regard. Et puis, en 2006, il décide d'engager la lutte contre les prévaricateurs. Après avoir fait un savant discours sur l'inertie, le 31 décembre 2006. Vous comprenez, vous voyez d'où je viens. Ils commencent donc à matraquer leurs esprits et ils commencent à se poser, ces gens-là, son entourage, des questions. Est-ce que ce monsieur va encore faire nos affaires? Parce que c'était ça la grande logique. Deuxième chose. Troisième chose, c'est aussi la constitution. Vous savez que Biya avait pris beaucoup de marques et il a pris beaucoup de sequelles du coup d'État de 1984. C'est-à-dire, quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que Biya, d'après le 6 avril, est complètement différent des Biya d'avant le 6 avril. C'est quelqu'un en fait qui était un fils de l'ancien président et il se situait dans la continuité parfaite, parfois même avec les mêmes équipes, puisque l'histoire nous raconte qu'il prenait l'hélicoptère à Ngaoundéré et suggérait un gouvernement à son père qui le validait ou qui l'invalidait. Vous comprenez? Mais après le 6 avril, il a compris qu'il fallait vraiment qu'il tienne les rênes du pays. Mais il a pris une période d'environ 10 à 15 ans pour mieux asseoir sa politique. Parce qu'en fait, au moment où il sort du 6 avril 84, il y a la perestroïka de 87, c'est-à-dire que le vent d'Est commence à souffler. C'est-à-dire que bientôt, il n'y aura plus vraiment une césure entre le communisme ou le socialisme et le capitalisme. Donc, il y aura pratiquement une confusion des forces sur le plan mondial. Et les Occidentaux le ressentent aussi. Et la France, qui a encore sa main mise sur ses anciens territoires, se redéploie déjà afin de s'assurer qu'elle ne perdra pas la main sur ses anciens territoires. C'est la conférence de la Baule de 1990 que François Mitterrand convoque et leur dit: vous n'aurez plus jamais, vous les présidents africains sous ma botte, de l'aide publique au développement si vous n'ouvrez pas la scène politique, si vous n'ouvrez pas les libertés. C'est ça le grand enjeu de la conférence de la Baule. Alors il rentre chez lui et il commet la commission Fouman. C'était le nom de la commission Fouman en juillet 1990, chargé donc d'élaborer les textes sur les libertés que cette commission va livrer le 10 octobre 1990 et le président va promulguer ces lois-là le 19 décembre. Ces lois que vous connaissez, c'est-à-dire sur les partis politiques, les libertés, la communication, et ainsi de suite. Bon, vous voyez que au niveau de la presse, la presse ou les journaux comme les titres comme Le Messager qui officiait pratiquement dans l'illégalité entre guillemets, dans une tolérance administrative depuis 79 avec l'aîné père son nom Pierre Ndjawe, rentre donc officiellement sur la scène. Vous avez donc des partis politiques qui commencent à naître de partout. L'UPC qui n'avait jamais eu de papier revient, puisqu'en fait la loi dit clairement que ceux qui n'avaient pas eu de papier avant pour exister pouvaient exister du fait de la loi, c'est-à-dire avant la loi ils pouvaient exister. Donc voilà comment la scène se corse. Et en 92 vous connaissez les émeutes et les élections présidentielles qui ont vraiment abouti à ce que nous connaissons. Je ne reviens pas sur cette histoire. Mais il faut comprendre que sur le plan légal donc, 96, il y a donc pris des leçons. C'est pour cela qu'il a introduit par exemple des notions comme la décentralisation dans la Constitution. Il met la cale du 6-2. C'est-à-dire le 6-2, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se représenter à plus de 7 ans de deux fois. C'est-à-dire 14 ans. Donc, tous les aînés savent que en 2011, ça en est terminé pour l'homme. Vous comprenez? Donc, vous comprenez qu'à cette période-là, regardez très bien, entre 97 et 2011, il y a un enrichissement terrible, frénétique de nos aînés. De l'élite. Vous avez commencé avec l'affaire de l'Albatros. L'Albatros, où les gens pensent peut-être même qu'en 2004, peut-être qu'il devrait même partir. On va lui acheter un avion brinque-ballant. Et l'histoire nous raconte d'ailleurs que le père Mendoza disait au président, ben, Massa, on a le nom qu'on a donné à votre avion, là n'est pas un bon nom, Albatros. Dans la mythologie, c'est un gros oiseau paresseux qui vole et qui se fatigue de temps en temps, il tombe tout le temps. Et vous connaissez l'épisode où le président a eu mal en l'air, où le train d'atterrissage n'est pas sorti. Vous connaissez l'affaire. Les gens ont fait la prison. Les gens ont fait la prison pour cela. Ils y sont d'ailleurs. On n'a ni l'avion, on n'a ni l'argent.
Vous comprenez? Mais l'enrichissement frénétique a continué. Et en 2006, il engage la chasse aux sorcières. En 2008, il parle des bandits à col blanc et puis des apprentis sorciers, les émeutes de la faim, qui ont été justement l'un des points phares du complot, puisque les gars savaient qu'en 2011, il n'y en est plus là. Mais le 14 avril, il est prêt encore au 6-2. C'est-à-dire que désormais, il peut se représenter à la tête de l'État ad vitam aeternam. Mais les masques étaient déjà tombés. C'est-à-dire chacun avait déjà déclaré que je serai candidat. Si vous n'êtes plus là, c'est moi. Pour ceux qui étaient les plus honnêtes, ceux qui étaient les moins honnêtes utilisaient des arguties sibyllines pour mais ils avaient déjà été identifiés. Et en plus, du fait qu'ils avaient mis l'appareil en mal, ils avaient compris parfaitement que, ils avaient compris parfaitement qui était le danger et qui ne l'était pas. Donc, 2011, vous voyez ce qui s'est passé. Celui qu'on avait enlevé, je sors par là, Duminat, et qui est justement en prison maintenant, l'homme de Garoua. Il allait encore en janvier 2012, scandant partout à ses frères du Septentrion qu'il faut voter pour lui. Merci d'avoir voté pour lui, puisqu'on sortait d'une élection présidentielle et que pour lui, c'est le bon choix. Mais en fait, il ne savait pas qu'en fait, il attendait juste pour savoir si Sarkozy, qui avait dégagé Kadhafi quelques temps avant, allait rempiler en mai. Et le 16 avril, il a touché. Et le reste de l'histoire, vous la connaissez. Ceux qui connaissent l'histoire comprennent, regardent cette émission et comprennent que vous avez un protocole que vous suivez, puisqu'il était question dans notre discussion de ne pas facilement les noms des gens ici. Les acteurs se connaissent. Et depuis que vous parlez, je voudrais que les téléspectateurs comprennent pourquoi vous ne donnez aucun nom. C'est un protocole que nous nous sommes donné. D'ailleurs, ceux qui ont suivi ces événements-là, ceux qui les connaissent, peuvent coller les noms à différents descriptifs qui sont donnés ici. Vous vouliez ajouter un dernier mot, parce qu'il fallait faire une sorte de décor que vous plantez avant qu'on ne continue. Oui, donc je sors donc de 2011 pour montrer que le président a donc encore changé en 2011. Parce qu'en fait, depuis 2011, il est devenu autre. Parce que les Camerounais doivent le comprendre. C'est-à-dire que le président a parfaitement compris qu'après que Sarkozy et le président américain du temps, Barack Obama, soit allé dégager le guide Kadhafi, le prochain était Paul Biya. Parce que dans la logique de Kadhafi, d'ailleurs, Paul Biya était ancré dans ce projet de panafricanisme. Kadhafi avait décidé de sortir tous les pays africains du joug occidental. De là, dit par exemple que le FMI, aujourd'hui le Fonds monétaire international, n'est rien d'autre, parlons comme chez nous, que le Njangi des Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils ont apporté leur argent au FMI et vous venez emprunter cet argent auprès du FMI et la Banque mondiale contre des intérêts. Et ils s'arrangent à chaque fois que vous ne soyez jamais, que vous ne remboursiez jamais cette dette. C'est en fait ça le principe, j'explique ça simplement. D'accord. Je suis spécialiste des questions d'aide publique au développement, je le dis comme cela. Donc pour dire quoi? Pour dire que Kadhafi avait prévu de créer et de construire le FMA, c'est-à-dire le Fonds monétaire africain à Yaoundé. Vous pouvez comprendre cela. Et vous comprenez qu'après Kadhafi, ça allait être Paul Biya, vraisemblablement. C'est-à-dire que puisque c'est des gens qui décident de sortir les pays africains, c'est-à-dire le grenier des Occidentaux, de leur joug, eh bien, il faut les éliminer. Le printemps arabe avait donc commencé de ce côté-là, Tunisie, Égypte et tout ça. Il fallait que ça finisse chez nous. Kadhafi avait prévu aussi de nous donner tout un satellite, RASCOM. RASCOM, justement, qui allait nous rendre indépendants des images de Vivendi que vous avez. Je sais que vous êtes sur Canal Plus aujourd'hui. Et que justement, parce que l'Afrique aujourd'hui avait besoin de cela, parce qu'aujourd'hui, pour que vous sachiez exactement ce qui est dans votre sous-sol, il faut appeler les États-Unis pour qu'ils braquent leurs satellites sur votre sous-sol et étudient la texture et vous disent que le Cameroun a 300 terres. Vous avez suivi cette information. Pour que vous sachiez là où vous avez le pétrole, la bauxite, c'est leur satellite. D'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque nous sommes en plein Boko Haram, je me souviens en 2015-2016, pour que nous ayons les positions exactes de Boko Haram dans la zone de Sambisa, il a fallu que nous saisissions l'État français du moins. Oui, l'État français, pour qu'ils orientent leurs satellites pour nous donner les positions de Boko Haram qui sont très mutants sur le terrain. Et vous savez ce qu'ils nous demandaient? 50 millions par jour. Nous leur avons dit, nous n'avons pas assez d'argent pour cela, on va se débrouiller. Voilà donc la dépendance à laquelle Kadhafi et Paul Biya ont décidé de nous sortir. Et le plus important donc dans l'affaire du complot, c'est que certains de nos aînés se sont ligués aux autorités, à certaines élites politiques en France. Parce qu'en fait, ils sentaient que Paul Biya avait glissé des mains de la France et ça pouvait faire leur aubaine, de leur dire, nous pouvons faire votre affaire. Donc, vous pouvez nous soutenir et on fera le reste. Vous pouvez comprendre donc ce dont je parlais pour celui qui était ancien ministre de l'administration territoriale. Nous allons, d'autres encore. Nous allons rentrer dans les éléments les plus concrets donc de la manifestation de ce que vous venez de décrire. Et cela va être précédé par une autre articulation de cette émission qui consiste à rentrer dans l'environnement politique national, voir quelles sont les tendances qui se dégagent. Et ça va nous permettre
de revenir sur ce plateau et de parler vraiment des choses beaucoup plus concrètes avec des questions précises qui vont vous être posées. L'état des lieux de la politique de l'alternance au Cameroun, du point de vue des institutions ou de tous les autres acteurs qui veulent jouer un rôle de premier plan, pourquoi pas, c'est avec Frédéric Moutoumé ce soir. La question de l'alternance est préoccupante au pays de Paul Biya. Elle revient sans cesse dans le débat politique, chose qui a le mérite de diviser celle-ci en plusieurs blocs. Tout d'abord, le premier qui met en exergue la Constitution et qui présente les mécanismes de dévolution du pouvoir par les élections, une sorte d'alternance. Un autre camp, porté par certains acteurs et les universitaires, parlent de la possibilité d'un gré à gré. Et à ce propos, des noms sont même évoqués et avancés à l'instar de Franck-Emmanuel Biya, fils aîné de l'actuel président de la République, chef de l'État, depuis 1982, soit 40 ans d'exercice du pouvoir, ou encore l'un de ses fidèles lieutenants, en poste, un cas de figure dans lequel Ferdinand Gongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, encore appelé vice-dieu, est presque toujours cité. Dans ce foisonnement et choc d'idées, figure également en bonne place le camp de ceux qui appellent à l'union des partis de l'opposition. L'expérience réussie de 92 a du mal à renaître de ses cendres. Et jusqu'à date, les formations politiques de l'opposition restent divisées et passent, chacune défendant sa chapelle politique mieux ses intérêts sur le plan politique. Quant au dernier bloc, soutenu par les politiques issus des différentes formations présentes dans le champ, ils évoquent l'amendement du système électoral avec en prime l'adoption d'un code électoral consensuel. D'ailleurs, à ce propos, un travail de fond irrelatif vient d'être parachevé par cette formation politique issue des rangs de l'opposition, des ONG et des dirigeants de la société civile. Seulement, leurs propositions restent lettre morte face à un régime et à un gouvernement qualifié d'autiste par ses amoureux du consensus électoral. En attendant 2025, année de la prochaine élection présidentielle au Cameroun, la querelle fait des émules et la tension monte, continue de monter autour de la problématique de l'alternance qui semble être devenue une panacée au Cameroun de Paul Biya, dont la retraite politique est souhaitée de tous les vœux. Alors, le guide du parti Jouvence, je ne vais pas vous demander de vous prononcer sur le récit qui vient de faire Frédéric Moutoumé, notre reporter. Je vais vous poser une question qui est lié à tout ce que nous venons de regarder et à tout ce que nous disons depuis que nous sommes sur ce plateau. S'il venait à démissionner de ses fonctions, je parle du président de la République, pour dire aujourd'hui, c'est la première question. Comment entrevoyez-vous l'alternance? Bien, la démission est une modalité qui est prévue dans la Constitution. Je ne voudrais pas que vous nous citiez la Constitution bien sûr, que nous connaissons. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je voulais d'abord évacuer cela. Je comprends. On va pratiquement, comment est-ce que vous voyez les choses? Non, il est clair qu'en l'état actuel, si le président venait à démissionner, c'est clair que c'est dans le parti au pouvoir que ça va se jouer. C'est clair, puisque c'est le parti dominant. Il a l'essentiel des mairies, il a le Parlement. Quand on dit le Parlement, c'est à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc c'est à l'intérieur que ça va se jouer, à l'intérieur. C'est-à-dire que notre père président de l'Assemblée, pardon, du Sénat, devra normalement assurer, comme on dit souvent, l'intérim constitutionnel. Et il devra aussi organiser la fin de la vacance, selon les textes. Mais vous savez quel âge il a. Vous avez aussi son adjoint qui est là, qui est quand même encore bien portant, c'est-à-dire le Lamido du Mayoré, vice-président. Vous pensez que l'âge du premier ou du second que vous êtes en train de présenter peut être... Oui, justement, l'âge, son âge peut être un très grand handicap, parce qu'en fait, il serait très fort influençable, très fort influençable. C'est pour cela que je pense que si le président démissionne, la seule chance que nous aurons, c'est que comme il a démissionné, que sur le fait de sa volonté, ça veut dire que lui-même, il va organiser
la suite, la succession. Mmh. Vous comprenez? Parce que ça, la démission. La démission veut dire que quand je m'en vais, je sais déjà ce que je laisse derrière. Donc, il n'y aura pas grand problème. Vous comprenez? Il n'y aura pas grand problème. Mais peut-être vous ne m'avez pas posé l'autre hypothèse. Je m'en tiens d'abord poser, à celle-là. Je vais vous poser des questions. Non, mais restons à celle-là. Oui. Restons encore à celle-là. Qu'est-ce qu'on doit lire entre les lignes quand on vous écoute? C'est-à-dire que quand je démissionne, ça veut dire que j'ai tout organisé, j'ai prévu, machin. Voilà. Ouais. Ça veut dire que si la démission survient avec des institutions fortes, oui, avec des hommes qui ont le babou nécessaire, tout peut se passer dans l'ordre. Tout va se passer dans l'ordre, puisque le président a démissionné. Donc il a toujours la main, c'est-à-dire qu'il ferait un peu comme son prédécesseur, c'est ça, comme son père le 4 novembre 82. Mais la particularité, je vois votre question, c'est qu'en fait, il va nous imposer quelqu'un. Il va nous imposer quelqu'un, puisqu'il a la machine de son parti qui est très forte. Il a la machine exécutive, il a le Parlement, il a les institutions, c'est-à-dire les autres institutions légales, constitutionnelles, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. Uh-huh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel que nous sommes partis, peut-être que ceux qui sursurent la succession dynastique n'ont pas tort, parce que ça peut se passer. Autant. Ça peut se Vous passer. Faites l'allusion au franquisme. Ça peut se passer. On y viendra peut-être, mais ça peut se passer. Mm. Auquel cas aussi, il a peut-être quelqu'un d'autre dans la machine. Mais là, je doute fort. Là, je doute fort. Je pense que c'est la première hypothèse qui est la meilleure en cas de démission. Maintenant, parlons en cas de vacances brusques. Oui, on se comprend. En cas de vacances brusques. C'est là le grand drame. Oui. Nous sommes dans un débat. Oui. C'est-à-dire que nous ne l'envisageons pas. On s'est parfaitement compris. Pas, on ne le souhaite pas. Mais on y va. On essaie d'évaluer toutes les hypothèses possibles. On s'est parfaitement compris. Oui, allons-y. C'est ça le grand drame que nous autres, les jeunes, nous ne voulons pas. Et vous voyez que là, la force reviendra à qui? Ah, très bien, très bonne question. La force reviendra à qui? C'est là où dans le complot doit... Vous pouvez comprendre le complot de l'affaire. Parce qu'en fait, en cas de démission du président, ces aînés qui sont dans le complot, cela ne fera pas leur affaire. Parce que le président n'a pas l'intention de donner le pouvoir à l'un d'entre eux. Je situe l'analyse sur 3 générations. Il y a la génération du président, c'est-à-dire les gens qui ont son âge. Vous comprenez? Ceux avec qui il a travaillé depuis l'époque d'Aïdjo, depuis qu'il est président, il les a toujours, parfois au gouvernement, parfois à la maison, qui se repose, mais qui influence toujours ses décisions et ses choix. Mmh. Vous savez? Et il y a la génération en dessous de la sienne, c'est-à-dire ceux qui sont entre 60 et 80, là, quelque part là. C'est-à-dire qui se disent, nous avons quand même eu encore d'autres petites personnes que nous avons élevées dans le circuit. Si ce n'est nous, c'est les autres. Et il y a donc la génération des 50-60. C'est les inertes de la République. Quand il parlait d'inertie en 2006, c'est-à-dire c'est ceux qui pensent, la génération intermédiaire, qui pensent que c'est à eux qu'on doit laisser le pouvoir. C'est-à-dire que le président a déjà mis trop long au pouvoir et qu'il devrait s'en aller pour le laisser. Or, ils savent que chaque fois que le président prend 7 ans à la tête de l'État, eux aussi prennent 7 ans dans leur âge. Donc ils vieillissent, vous comprenez? Ça fait donc qu'ils ont développé des stratagèmes pour pouvoir pousser le président à la porte. Et il y a donc notre génération à nous, c'est-à-dire les moins de 45 en descendant là, c'est-à-dire jusqu'à la jeunesse dont nous parlons. C'est-à-dire nous qui espérons depuis, parce que le président, regardez les discours du président du 10 février chaque année, il demande à la jeunesse d'attendre, d'être patiente, d'attendre quoi? Parce que le discours d'un chef, il faut l'analyser. Quand le chef dit attendez, soyez patient, c'est qu'il est en train de faire quelque chose. C'est qu'en fait, le fer de lance doit devenir la main de lance, c'est-à-dire que nous devons prendre le pouvoir après, et nous en sommes conscients. Regardez simplement les discours du président depuis pratiquement 2002. Il travaille dans ce sens. Et les aînés ont parfaitement compris qu'il ne donnera pas le pouvoir à la génération intermédiaire. Ce sera certainement à notre génération. Ils ont donc développé des goulots d'étranglement dans la République. Le président a parlé d'inertie. Quand il parle d'inertie, l'inertie c'est quoi? C'est des gens en fait qui prennent des positions de pouvoir, vous les nommez, mais ils font tout pour ne jamais travailler. Ils font tout pour ne jamais servir le peuple. En fait, ils font tout pour que vous soyez, vous, le président de la République, mal vu. Qu'on dise que c'est Paul Biya qui ne réalise rien. Prenez le Memvele jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais terminé. En 2011, le président vous disait que le Cameroun sera un très grand chantier dans le septennat des grandes réalisations. Memvele n'est pas terminé. Lompanga, aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. Mekine aujourd'hui, Hydro Mekine et tout ce que vous connaissez comme projet. L'usine à manioc, l'usine à tracteur, tout ça est dans la forêt. Pourquoi? On a perdu de l'argent, on a emprunté de l'argent qu'on rembourse. Mais le peuple n'a jamais vu de ses yeux la réalisation de ses projets dans son service national. C'est ça l'inertie. C'est-à-dire qu'on empêche le président de laisser un héritage à la postérité. Donc c'est cela. Donc il doit bloquer.
Et ils ont une chance encore, c'est que le président prend aussi de l'âge et il se fatigue parce que c'est tout à fait normal dans l'activité humaine. C'est-à-dire que c'est un humain. Mais il surfe dessus, M. Koum, il surfe dessus. C'est-à-dire que même la santé du président pour eux est un enjeu dans le complot. C'est pour ça que vous voyez qu'il développe des histoires pendant la CAN. Vous entendez, pendant la CAN, on n'a pas fini le stade, on n'a pas fini. Lui-même, le président a vérifié cette affaire-là par lui-même de ses propres yeux. Il est descendu au Limbé près de deux fois, en deux mois, entre septembre et décembre. Juste pour aller voir, il s'est rendu compte que les rapports qu'on lui faisait n'étaient vraiment pas des rapports qu'il fallait prendre en compte. Vous comprenez? Ils développent donc des stratagèmes. Regardez le Covid. On dépose l'argent du Covid dans leur compte, dans leur budget, les gars, ils le ramassent. C'est pour créer parfois, parce que quand vous avez un certain âge, parfois même physiquement, ils peuvent vous créer quelque chose qui peut vous amener à patrer. C'est ça en fait la grande logique du complot. Donc le complot aujourd'hui tient compte à la fois de la santé du président et de la marche de l'État. Donc c'est pour dire que si jamais ce que vous dites là, on ne le souhaite pas arriver, ça ne fera pas les affaires de la jeunesse. C'est pour ça que nous, dans le Parti Jouvence, nous militons tous les jours pour que le président de la République nous laisse un successeur. Quand je dis nous laisse un successeur, ce n'est pas qu'il laisse son fils ou quelqu'un d'autre, mais qu'il dessine au moins la succession, afin que nous sachions que si cela arrive, qu'on sache au moins que s'il a pu le désigner de son vivant, ou s'il a pu nous montrer que voilà au moins celui-là, on peut penser que celui-là peut continuer le travail. Parce qu'en fait, l'hypothèse de ce départ brusque du président fera l'affaire des complotistes. Parce qu'en fait, ils prendront l'appareil du parti. Ils ont fait un test, comme je l'ai dit la fois dernière, avec l'éjection du professeur Massanga. C'est-à-dire qu'il fallait faire un test pour savoir s'ils peuvent arracher le parti au président. Alors, ils l'ont fait. Oh, écoutez, oui. L'appareil gouvernemental, ils l'ont déjà. Parce qu'en fait, ils ont les postes les plus postes influents. Les plus influents. Et c'est pour cela qu'ils bataillent au quotidien pour que le président ne sorte jamais le décret qui envoie certains au quartier, certains en prison. Vous comprenez? Parce qu'il faut que la même équipe reste toujours en place. Afin que c'est-à-dire leur travail prenne du marbre. Donc vous comprenez qu'ils se disent qu'à tout moment le président peut partir. Et il faut que s'il part, qu'eux ils soient toujours au pouvoir afin de gérer l'affaire comme cela se doit. Vous avez évoqué le cas de ce haut cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, professeur Messanga Niamdine, qui a été exclu du parti. Vous avez développé en essayant de prouver que la décision n'était pas du président de la République. Est-ce que vous êtes resté tranquille après cette émission, après cette sortie? Je suis toujours tranquille. Vous êtes resté tranquille, vous je comprenez bien ce tranquille. Que je veux dire? Non, j'ai bien compris. Je suis toujours tranquille. Vous savez que je suis un fils du système. Je suis un fils du système. Je ne peux pas tout vous dire. Je ne peux pas tout vous dire. Mais vous devez savoir une chose. Vous avez commis un texte pour expliquer pourquoi, parce qu'il y a également eu des voix qui se sont élevées pour dire... de quoi je me mêle, ça se passe dans le parti politique, il n'est pas membre de ce parti. Pourquoi vous parlez de nous de... Vous avez combien de documents? Je l'ai produit aujourd'hui, mais cela me donne l'occasion justement de prendre une autre analyse pour qu'on nous comprenne. Tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, vous devez savoir que, comme je l'ai expliqué tantôt, je ne reviens pas dessus, le pays, c'est trois choses à la fois. C'est l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, l'appareil gouvernemental. Ils l'ont déjà. Des postes, on a parlé des postes. Le président a certes des fidèles dans ce gouvernement. Je vais expliquer plus tard comment il réussit à les tenir malgré sa faiblesse. Mais ils ont l'appareil gouvernemental. Ils ont testé le parti la fois dernière. C'est-à-dire que quand vous avez déjà l'appareil gouvernemental, vous comprenez que l'hypothèse du départ brusque ne peut être à leur avantage que s'ils ont le parti, s'ils ont l'appareil politique. Parce qu'en fait, c'est là-bas que doit venir le candidat. Puisqu'il y aura une élection présidentielle. Et il faut que ce soit ce parti qui conduise le candidat du parti. Vous comprenez? Donc, s'ils ne tiennent pas l'appareil, comment ils font pour s'assurer que c'est l'un d'entre eux qui reprendra l'affaire après Paul Biya? Mais comme donc le père aussi, c'est un attentiste, et ils ont étudié sa façon de fonctionner avec le pays, tant que ça ne pourrit pas jusqu'à ce que les gens se découragent, il ne fait rien du tout. Donc, ils le prennent à son propre jeu. Le cas donc du professeur Messanga était un test. Je le réitère, c'était un test. C'est-à-dire quoi? Dans leur parti là, il n'y a que le président qui peut convoquer un conseil de discipline par une décision. Il a fait en 2013. Il a commis une commission ad hoc. Vous comprenez? Qui a sanctionné des membres du parti et en a exclu certains. Vous comprenez, non? Voilà. Mais en 2022, il devait faire la même chose, il me semble. C'est-à-dire convoquer aussi une autre commission. Mais alors, il ne l'a pas convoqué puisqu'on ne nous a jamais montré le texte convoquant la commission, puisqu'il était au village tout ce temps. Tout le monde le savait jusqu'au jour où il est rentré.
il y a 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Vous comprenez ce que je dis? Alors, ils ont pris le texte de 2013 que le président avait signé pour sanctionner, enfin du moins pour une commission de discipline qui allait siéger. Et en droit, la commission ad hoc, on dit ad hoc, c'est-à-dire que elle s'achève. Une fois que le dossier est vidé. Et une fois que le dossier est vidé, la commission est dissoute, elle n'existe plus. Si vous voulez une autre commission de discipline, le président devait encore signer. Créer une autre commission de discipline. Le président ne l'a pas fait. Vous suivez, monsieur Koum? Alors, ils ont décidé d'aider le président à travailler. C'est-à-dire qu'ils ont pris une commission réchauffée. Et le secrétaire général de leur parti a décidé de convoquer des membres d'une commission et d'aller soumettre le résultat à qui? La signature, vous connaissez l'analyse, je ne vais pas revenir dessus. Pour dire qu'en fait, leur dernière étape ou l'avant-dernière étape, c'est le parti. Et il fallait donc voir, parce que les gens, eux, ils voient les affaires de signature, les affaires, pour moi, ça ne m'intéresse même pas quand je parle de ces choses-là, ce n'est pas le doigt. Et ils ont vu mon doigt, ce n'est pas là-bas, ce n'est pas ce que je leur montrais. Quand je parlais des histoires de signature, quand je parlais de cela, en fait, je voulais leur parler de Mesanga lui-même. C'est-à-dire que quand vous regardez le professeur Mesanga, c'est un militant atypique. Ce monsieur est dans ce parti. Il soutient l'individu qui dirige ce parti, c'est-à-dire Paul Biya, puisqu'il dit qu'il est biaïste. Mais il est contre les mauvaises pratiques de tous ceux qui sont dans son parti, c'est-à-dire les prévaricateurs. Vous comprenez? D'où vient-il donc que vous allez sanctionner quelqu'un qui soutient votre chef et qui est contre l'immoralité dans le parti? Mais le chef on a beau dire que... Le chef n'est pas le parti. On a beau dire que... Il a beau être le président de la République, il a beau être le président national, mais ce n'est pas lui le parti. Ce sont leurs affaires là-bas, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous ne comprenez pas la décision du parti qui sanctionne un militant indélicat, indiscipliné? Je suis sur la morale. C'est-à-dire que je vous dis toujours que, même dans le cadre de notre petit parti, je vends cela. Le jour où je deviens fou, je dis toujours à mes enfants, le jour où je deviens fou, vraiment, prenez des dispositions pour me mettre de côté. Vous donnez raison au président Paul Biya qui appelle certains partis des petits partis? Bien sûr, moi j'accepte que moi je suis un petit parti. Pourquoi je veux dire que je suis un grand parti et me comparer au grand? J'ai vocation à grandir, monsieur. Alors, depuis que vous parlez là, ça tourne autour de la nomenclature. Hein? Oui, oui. Pourtant, il y a d'autres voix qui s'élèvent. Vous avez les partis politiques de l'opposition. Vous avez par exemple le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui a commencé à parler du gré à gré et qui n'était pas d'accord. Vous avez des partis politiques qui se sont mis ensemble et qui parlent d'un code électoral consensuel. Vous ne pensez pas que... Par exemple, la deuxième chose que je viens d'évoquer, le code électoral consensuel, peut également garantir une alternance plus ou moins satisfaisante pour tout le monde. Les aînés courent dans le sac. Quand j'ai vu les histoires de code électoral consensuel, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a cousu la politique à ses mensurations de nous donner un peu de place. Et vous cédez. Attends, si vous avez lu ça, vous voulez un code électoral consensuel, dans quelle Assemblée nationale vous allez passer ce texte? Si l'opposition n'a même jamais fait une proposition de loi. C'est demain que le code, d'ailleurs, depuis qu'ils ont fini leur affaire... Donc c'est des chimères, ça? Depuis qu'ils ont fini leur affaire là, en décembre dernier, à la fondation, quoi là? C'est quoi là? Ndam. Ndam. C'est ça, non? Ouais. Mais pourquoi ils n'ont pas transformé ça en projet? Pour la... Bon, c'est vraiment, on va me dire qu'il y a encore la session de juin, de juin qui arrive, il y a la session de novembre. Attendons qu'ils soumettent donc leur code électoral consensuel à une proposition de loi. Non, soyons sérieux, monsieur, comme je dis toujours aux aînés, je suis dans le système. C'est-à-dire que... Le système RDPC n'est pas un système complexe. Il est peut-être complexe du fait des intelligences qui militent, qui arpentent le parti. Mais il n'est pas compliqué. Si vous voulez comprendre le système RDPC, lisez toujours ce qu'il vous propose en berlan, c'est-à-dire à l'envers. C'est-à-dire que pour ceux qui font l'arabe, on lit de droite à gauche. Ne lisez jamais de gauche à droite tout ce qu'il vous montre. C'est ça le système RDPC. Aussi simple que ça, je n'irai pas plus loin que ça. Ça fait partie des stratégies de mon parti. Quel est votre... Oui, allez-y. Pour dire qu'en fait, je dis toujours aux aînés, vous n'avez pas besoin d'aller dans le système, un code électoral consensuel, ça ne sert à rien. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'honnêteté en politique. C'est le discours vrai. C'est la vérité dans vos actes. Mais le mal, c'est que ceux qui sont entrés en politique et qui vous parlent de toutes ces choses-là, ce sont les amis de ces gens la nuit. Et le jour, ils aboient contre ces gens. Et le peuple n'est pas dupe. C'est pour ça que peut-être mon petit discours passe. Parce qu'en fait, je suis vrai. Je suis pas entré en politique pour m'enrichir ou pour conduire les grosses caisses, pour faire quoi que ce soit. Dieu seul sait. Vous comprenez? Quand je parle en vérité. Je dis aux jeunes ce qui se passe. Et vous n'avez, pas peur d'être broyé par... Moi, je ne fais de mal à personne. Par des forces? Moi, je ne fais de mal à personne. Quand vous parlez, par exemple, des complotistes ou des comploteurs,
Je ne fais de mal vous à personne. N'avez pas... Si, il si. Ne vous arrive pas de penser qu'on peut... On peut s'attaquer à vous, à votre personne? Nul n'est éternel, vous savez. C'est vous suffisant. Vous avez parlé de mon grand frère Ateba Yene tout à l'heure. Et je le disais aussi comme vous me le disiez aujourd'hui. Ce qui arriva quand vous... allez-y, monsieur Koum. Alors, quand vous faites l'analyse autour de la sortie de Messamba Niamdine du RDPC, et vous voyez comment une machine s'est mise en place, vous ne revenez pas sur votre propre cas? Mon propre cas, si vous vous attaquez aux intérêts de ceux qui prennent toutes les dispositions. Quel intérêt? Ma particularité, c'est que je puise dans mon intelligence et mon expérience la compréhension de ce qu'ils font. Mm. Et je sers cela à la jeunesse. Tant pis pour ceux qui veulent m'écouter, qui ne veulent pas m'écouter. Mm. Tant pis pour eux. Moi, vous savez, les gens m'ont même appris pour un fou. Quand je développe certaines théories, on se dit, mais ce gars, il vit dans son cerveau. Mais ils ne comprennent pas une chose. Ce qui fait la particularité du Cameroun, c'est que nous avons une élite très intelligente. Très intelligente. Et on a habitué les Camerounais à penser que parfois, quand quelque chose dépasse votre entendement, c'est que cette chose n'existe pas. Quand vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, c'est qu'en fait, cette chose n'est pas compréhensible. Et du coup, quand vous réussissez à dire aux Camerounais que voilà comment ça se passe, ils trouvent que ça sort du commun et que ça n'est pas vrai. Jusqu'au jour où cela arrive. Parce que c'est en fait cela. Ils sont tombés dans le piège de Paul Biya. Quand ils changeaient la constitution en 96 et qu'ils mettaient le 6-2, même eux-là, ils ne savaient pas qu'il était plus intelligent que tous, avec son expérience. Lui, il savait déjà qu'il avait mis le Cameroun, il avait vu le Cameroun sur 20-30 ans. Oh, et ils avaient vu 2011. Mais malheur en a pris, comme je le disais tout à l'heure, ils avaient déjà jeté le masque. C'est comme ça que le président fonctionne. Si vous voulez plus comprendre Paul Biya, il faut bien l'étudier. J'ai pris 7 ans, monsieur Koum. 7 ans de ma vie à étudier la cause, du moins, l'homme Paul Biya, sa façon de fonctionner. Je me souviens quand j'étais au commandement territorial, je passais parfois des nuits, je mettais les pieds dans un seau d'eau, dans ma petite table de travail à ma résidence, et je rédigeais les textes du parti, la stratégie du parti. C'est un document de 220 pages, 220 ou 240 pages. J'en ne peux pas le comprendre aujourd'hui, parce qu'en fait, j'analysais élément après élément, c'est-à-dire les 7 dernières années du renouveau. Quand je dis du renouveau, sous Paul Biya, parce que nous, on est convaincus. Depuis 2005, je suis un ancien gréviste, vous le savez. Mm. Je suis un ancien gréviste de 2005, avec d'ailleurs Cabral Libi, c'est mon frère, les autres. Nous savions que Paul Biya, en 2025, ne sera plus là. Sous réserve qu'en 2025, il nous supprime. Mais nous, on le savait. Donc, on savait qu'on n'entrera en politique qu'à partir de 2018. Donc, lorsqu'il aura rempli le dernier mandat. Vous savez qu'en 2005, on ne savait même pas encore qu'on allait modifier le 6-2, puisqu'on l'a modifié en 2008. Or, nous, les jeunes, nous savions que c'est en 2018. C'est pour ça que Cabral entre en politique en 2017. Il entre un peu plus tôt. Ben, je lui dis, vas-y, si tu arrives avant, je viens, je te pousse. Mais quand j'arrive, l'histoire, vous la connaissez et nous voici en politique. Donc, pour nous, nous savions cela. Mais notre objectif n'était pas de venir renforcer nos aînés parce que nous savions qu'ils ne travaillent pas pour notre pays. Ils travaillent pour eux-mêmes. Vous comprenez? Et que nous ne pouvons pas être d'accord avec l'homme Paul Biya. D'ailleurs, beaucoup soupçonnent ou disent que je vends ce soutien Paul Biya. Non, nous ne soutenons pas Paul Biya. Non, nous, on n'en a que cul de l'individu. Mais vous soutenez Franck Biya quand même? Oui, je ne le connais même pas. Comment je vais le soutenir? Je le soutiens d'abord, pourquoi il... Tout au moins, peut-être parce qu'il est jeune. Non, j'en parlerai tout à l'heure, quand vous m'en donnerez l'occasion. Mais je veux dire pour Jouvent, c'est que nous ne soutenons pas l'homme Paul Biya, nous soutenons les institutions de la République. Et il se peut que... L'homme Paul Biya est à la fois président de la République. Il incarne la plus haute institution du pays. Donc, qui insécurise le président de la République, l'institution suprême, va insécuriser le Cameroun. Regardez ce qu'on a fait de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ce quand on a coupé la tête de Gbagbo, vous savez ce qui arrive à la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Quand on a coupé la tête de Kadhafi, vous savez ce qui arrive à la Libye jusqu'à aujourd'hui. Mm-hmm. Sékou Touré, vous savez ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui. On peut vous citer des cas. Donc, il est une institution. Malchance pour ceux qui ne l'aiment pas, c'est-à-dire qui n'aiment pas voir Paul Biya là où il est. Une chance pour ceux qui l'aiment bien, mais il est une institution. C'est pour ça que je dis souvent parfois à mes frères qui sont dans les autres partis du hold-up et compagnie, je leur dis, même si c'était votre candidat qui était président de la République, Jouvent se le soutiendrait toujours parce qu'il est président de la République, non pas parce qu'il est l'individu. Vous comprenez? Donc c'est cela que je veux dire aux jeunes, pour dire en fait, sorti de votre question, et dire que faisons attention. C'est vrai que je dis des choses avec beaucoup d'explications, je vois même beaucoup de choses, je ne peux pas tout dire, mais on n'a même pas besoin de voyager dans l'esprit ou de voyager dans l'expérience administrative ou politique pour comprendre ce que je dis. Le mal, c'est que les jeunes ne travaillent pas. Quand je dis ne travaillent pas, ils ne remuent plus leur cerveau. C'est comment dire,
c'est mon, comment dire, mon combat quotidien. Alors, c'est le constat que j'ai fait et qui me frustre au quotidien. Mais je me bats pour qu'ils comprennent qu'il faut lire, il faut comprendre la République. Il faut toujours lire entre les lignes afin de pouvoir vous en sortir. Engageons-nous en politique et prenons le contrôle de notre avenir. Oui, c'est la fin du message que j'ai ventilé aujourd'hui. Rejoins le propos que vous êtes en train C'est le fin mot, c'est le fin mot. Pour dire aux jeunes quoi? Pour dire que bientôt, moi, je ne serai même plus conseiller. Je suis même plus jeune. Parce que quand on a 41 ans, on est plus jeune. Hein. Moi, vraiment, je ne sais plus. Quoi. Mais je suis encore dans l'affaire là parce que je me dis, si je ne le fais pas, qui le fera? Parce qu'aujourd'hui, regardez tout le monde va émerger quelque part. Autour de vous, vous avez l'impression, que le discours passe? Oui, il y a des jeunes qui me saisissent et comme je leur dis d'habitude, de ne pas venir dans mon téléphone pour me féliciter. Je n'en ai pas besoin. Venez dans mon téléphone pour dire je suis touché par votre discours, je m'engage en politique. Parce qu'en fait, ils viennent vraiment, nous aimons ce que vous faites, ainsi de suite. Non, n'aimez pas ce que je fais. Vous comprenez? Vous les jeunes, n'aimez pas ce que je fais. Venez en politique, engagez-vous pour votre avenir parce que c'est ça le plus important. Lorsque le moment de la transition va arriver, monsieur Koum, les jeunes, c'est au moins 65 à 70% de la population. Mais les aînés nous ont dit, la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, c'est une façon sibylline et maligne d'écarter la jeunesse. Les aînés, là, c'est vous qui le dites. Les aînés l'ont dit, c'était une façon sibylline d'écarter la jeunesse de la chose politique. Or, c'est le politique qui décide du prix du pain. Mais c'est le même président qui a démarré également, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le même président Paul Biya qui dit récemment aux jeunes de s'engager en politique. Il le disait dans un contexte, la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, parce qu'en fait, nous étions dans les mouvements d'humeur. Dans les écoles, à l'université. Oui, les grandes grèves, il fallait qu'ils fassent comprendre aux jeunes qu'en fait, votre travail, c'est d'aller à l'école et laisser les manœuvres des politiciens qui veulent vous utiliser pour arriver au pouvoir. Il parlait déjà du complot. Tout à fait. Quand il parlait des bandits à col blanc, c'est ça aussi le complot. Quand il parlait des apprentis sorciers, c'est ça le complot. C'est pas nous qui inventons cela. Parce que le professeur Mathias Eric Onang, il a bon parler, on a cru que ça venait de son esprit. Mais c'est le président lui-même qui vous le dit. Mais il ne peut pas s'exprimer avec les mots que nous utilisons, monsieur Koum. Donc, je venais de vous prendre quelques mots qu'il a utilisés lui-même. Donc, je suis en train de dire aux jeunes, et je sors par là, pour qu'ils comprennent qu'en fait, ce que nous faisons là avec ceux qui sont à Jouvence avec moi, c'est un sacrifice. Vous savez, monsieur Koum, vous ne savez pas combien moi-même je souffre dans ma chair. Parfois, je me dis, est-ce que j'ai vraiment eu raison d'abandonner tout ce que j'avais pour venir faire la politique? Et je me dis, comme on dit souvent chez nous, et on le dit chez nous, mouiller c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Vous comprenez? J'avance, je prie, et c'est comme cela. Je sors en disant quelque chose, monsieur Koum, c'est que des gens me demandent qui vous a enseigné la politique. Celui qui m'a enseigné la politique, c'est quelqu'un qui n'avait pas le CEPE. C'est mon grand-père, il n'avait jamais fait l'école. C'était Mandafi Joseph. Mais il a été l'un des plus grands soutiens du président dans l'Ofundi. D'ailleurs, les aînés qui nous regardent le connaissent, Mandafi Joseph, conseiller d'André Fouda, qui était encore maire de la commune de plein exercice de Yaoundé en 56 jusqu'en 80, sa mort en juillet. Il était conseiller d'André Fouda pendant 24 ans. Et Mabazil est arrivé, il a été son conseiller jusqu'en 87. C'est ce monsieur qui m'a appris la politique dès mon bas âge. Il a été maire de Yaoundé 3 de 96 à 2002, après le père de l'actuel secrétaire général de la primature. Vous comprenez? C'est lui qui m'a appris la politique dès mon bas âge. Mais une petite chose, c'est que j'aurais pu être du RDPC. Mais c'est que mon oncle avait refusé de me donner la carte du parti. Je venais d'avoir le bac. Et mon grand-père, pendant que je pleurais, il me dit, laisse tomber. Certainement, Dieu te réserve autre chose. Je comprenais ce qu'il voyait. C'est qu'en fait, peut-être je vais créer mon propre parti et faire ce que je suis en train de faire. Peut-être aussi que, bon, vous alliez vous retrouver dans le commandement, et qui est un peu loin de la politique. C'est-à-dire non, que j'y ai été. Je ne peux plus y aller. Pourquoi? Non, tu dis à l'époque quand votre oncle parle. Non, il n'a pas. Mon grand-père, il n'a pas été d'accord. Parce que je me souviens, ma première nomination, quand on m'envoie à Maroua, il a pleuré. Mon grand-père, il était déjà assez fatigué. Il a pleuré. Vraiment, il me dit, comment on peut t'envoyer à Maroua aussi loin? Eh bien, il a versé des larmes. Il dit, mais comment je fais pour te voir désormais? Et quelques moments avant son départ, il m'a fait appeler par sa fille aînée, qui est ma tante, et qui est aussi déjà partie. Il dit, papy veut te voir. Et puis, votre voix, je me souviens, j'avais pris Kamako, j'étais arrivé à Yaoundé, je l'ai rencontré. On s'est dit tellement de choses. Et quelques jours après, il était décédé. Et je suis venu pour son inhumation. Donc, j'ai reçu les critiques de lui. On ne reviendra pas à cette émission, à votre, à votre jardin secret. C'est pas important. Parce que, comme nous l'avons dit à nos téléspectateurs tout à l'heure, c'était pas facile de vous arracher un certain nombre d'informations vous concernant vous-même en tant qu'individu. Et cette émission ouvre généralement une petite fenêtre. On n'ouvrira pas. Mais un jour, on l'ouvrira avec vous. C'est promis.
Merci pour la promesse. Je dois dire que vous avez refusé le type de mission comme vous êtes là maintenant, parler. Oui. C'est à votre honneur, hein, monsieur, comme vous êtes un chanceux. Vous êtes le premier à me prendre sur un plateau comme celui-ci. Seul? Oui, seul. À vous l'avoir. J'ai refusé parce qu'à chaque fois, que ce soit mon frère Tonguet, partout, je leur ai dit... Vous n'allez pas citer les noms. Je leur ai dit, non, ce sont mes frères. Je n'ai pas cité une chaîne concurrente. Je leur ai dit non. Je ne veux pas de ça parce qu'en fait, je viendrai toujours parler de moi et ce n'est pas important. Je préfère parler des choses objectives. Avec le temps, les Camerounais apprendront peut-être à connaître l'homme. Mais ce qui m'intéresse pour le moment, on n'a pas assez de temps. C'est le discours, c'est la stratégie, c'est la transition, c'est l'alternance. Merci pour cet honneur. Lorsque vous dites le pouvoir du peuple intéresse le peuple partout où il est exercé. Oui, c'était pour ouvrir une brèche à ceux qui ont voulu nous dire il y a deux semaines et depuis là que ce qui se passe dans le RDPC, c'est la cuisine interne. Ça ne vous regarde pas. Non, mais ils racontent des choses qui ne tiennent pas debout. Monsieur Koum, faisons attention. C'est le parti au pouvoir. Quand on dit le parti au pouvoir, est-ce que le pouvoir là, c'est le pouvoir de ce parti? C'est le pouvoir du peuple camerounais. C'est ça. Donc ce pouvoir, c'est notre propriété. Mais comme ils sont au pouvoir, tout Camerounais doit s'intéresser à ce qui se passe dans ce parti qui exerce notre pouvoir à nous tous. Bien noté. Les ministres de ce parti, tous ces ministres-là sont de ce parti, il me semble, du moins 98%. Vous comprenez? Ouais. Les budgets qu'ils gèrent là, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent de tous les Camerounais. Mais comment on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe là-bas, de ce côté-là? Et le président national de ce parti, il est président de la République, non? Alors, quand il prend un texte, que ce soit dans son parti, que ce soit dans la République, on doit s'y intéresser. Ça doit intéresser. Ben alors, puisqu'il, confusionnellement, il exerce le pouvoir de président national de son parti et président de la République. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ça veut dire que, étant encore même le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire l'alternance ou la succession bientôt, nous amène encore à scruter davantage ce qui se passe dans ce parti. C'est-à-dire que, puisque c'est ce parti qui doit proposer le successeur de Paul Biya, nous devons savoir ce qui s'y passe. Donc quand on élimine de la course, par exemple, ou on chasse l'aîné Mesanga Nyamding, nous devons nous y intéresser pour dire, mais qu'est-ce qui s'y trame? Quand on tue, entre guillemets, politiquement, un biaïste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui soutient l'homme qui nous dirige et qui ne soutient pas l'appareil dans lequel il se trouve, il y a un problème. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'en fait, les aînés ont développé cela. Quand ils vous disent que ne vous intéressez pas à ce qui se passe dans le parti, c'est pour vous dire quoi? C'est ce qu'ils ont fait. Autre logique du complot, ils ont coupé le président du peuple. C'était ça la grande logique depuis 2004. C'est-à-dire qu'ils ont fait une différence entre le président et le reste du peuple. Au milieu, là, c'est eux qui parlent au nom du président. C'est pour cela que vous voyez, par exemple, on dit sur très haute instruction, d'ordre de ceci, c'est vrai qu'il y a des délégations mais, de signature. Mais ça, c'est l'administration. Non, je parle de l'administration pour que vous compreniez l'autre. Quand ils arrivent dans les meetings, ils portent Paul Biya sur eux, ainsi de suite. On dit c'est Paul Biya qui dit que c'est Paul Biya, alors que Paul Biya n'y est. C'est le président qui m'a envoyé. C'est le président qui m'a envoyé. D'autres disaient même papa m'a dit. Donc des choses comme ça. Donc ils ont coupé le président du peuple. Et à la fin, le peuple a l'impression que Paul Biya, c'est un dieu qui est quelque part et qui ne tient pas compte de leur souffrance. Et il devrait plutôt s'appuyer sur ses anges, qui sont les ministres. En fait, ces ministres-là, justement, ça fait leur affaire. Parce qu'en fait, une fois que le peuple s'appuie sur les ministres, il est très facile d'évincer Paul Biya. Parce qu'en fait, Paul Biya se retrouve isolé. C'est là où donc Jouvence vient entre en jeu. C'est-à-dire que Paul Biya s'est donc retrouvé isolé dans son propre jeu. C'est-à-dire qu'il s'est retiré du peuple et ils se sont installés entre le peuple et lui. Et nous disons, il ne faut pas qu'il mette le président dos au mur. Parce que s'il le met dos au mur au moment de l'alternance, ce sera très difficile pour nous d'assurer la succession, c'est-à-dire nous les jeunes là, de tenir les rênes. C'est ça la véritable logique. Et c'est pour cela que je m'évertue au quotidien avec les autres jeunes d'expliquer aux jeunes qui ne comprennent pas encore cette affaire-là, les enjeux du moment. C'est-à-dire qu'il faut entrer en politique, il faut vous engager, il faut comprendre que les aînés ne sont pas là au pouvoir, la ministre et machin chose là, pour nous donner le pouvoir à nous. Ils sont là pour garder le pouvoir. Mais s'ils se comportent comme ça sous Paul Biya, Paul Biya dit quelque chose, ils n'exécutent pas. Ils prennent l'argent dans les caisses. Vous croyez que même si c'est l'un d'entre eux qui prend le pouvoir, ils ne vont pas continuer la même chose? Ils vont continuer, vous comprenez? Donc assurons-nous que ce que Paul Biya nous promet depuis, c'est-à-dire attendez, la main de lance devient, du moins, le fer de lance devient la main de lance. Assurons-nous, c'est le moment de soutenir Paul Biya. Parce que chez nous, il n'a plus que besoin de nous désormais aujourd'hui. Parce qu'avec son âge, vous avez des personnes âgées chez vous. Plus on est âgé, votre mère est âgée, votre père est âgé, c'est à ce moment-là qu'il a besoin de vous. Parce qu'en fait, il ne peut plus courir, il ne peut plus marcher comme vous, il ne peut plus aller vite, il utilise donc vos pieds. Parfois, il utilise votre cerveau quand il vous pose des questions, même si un vieillard assis vaut un jeune qui est debout.
Voilà, c'est le moment où le président a le plus besoin de nous, de son soutien. Si démission il y a, nous devons nous mobiliser pour que, effectivement, l'alternance, du moins la succession qu'il aura organisée, que nous soyons sûrs que c'est un jeune. Si départ brusque, comme vous avez dit, nous devons nous assurer qu'en fait, les mobiles ou les mécanismes institutionnels nous assurent d'avoir un jeune à la ligne d'arrivée. C'est pour ça, pour sortir, et je dis souvent, moi je ne suis pas candidat à la présidence de la République. Je suis là pour motiver les jeunes, pour qu'ils sortent. Le jeune qu'eux-mêmes ils auront choisi, je leur dirai si c'est bon, si c'est pas bon, de toutes les façons. Je pense que c'est comme un arbitre. Et si c'est vous? Non, je ne suis pas candidat. Mais si c'est mon frère, il n'y aura pas de... Parce que sur la scène politique actuellement, le jeune, après moi, il y a aussi Cabral qui est là. C'est-à-dire que c'est lui qui est le plus avancé. Comme je le dis souvent, moi, je tape sur lui régulièrement. Je tape sur lui parce que je suis toujours... Je lui dis toujours qu'il vaut mieux que ce soit moi qui lui porte critique, que ce soit quelqu'un d'autre. Parce que quand ça vient des gens, des bouches qui ne sont pas appropriées, ça fait plus mal. Mais moi, je suis son frère. Je sais où il doit aller. Il doit tenir la dragée haute. S'il est celui qui sera le plus amène ou le plus proche de la ligne d'arrivée, on va l'appuyer parce qu'en fait, il est jeune. Vous comprenez? S'il y a un autre jeune qui sort du buisson et qu'on sent qu'en fait, il tient aussi, on va aussi l'appuyer. Notre logique, c'est qu'un jeune prenne le pouvoir. Un jeune qui connaît le prix du pain. Un jeune qui a souffert. Un jeune qui connaît le prix du carburant. Monsieur Koum. Un jeune qui connaît le prix de la tomate au marché. Nous ne devons plus être gouvernés par des gens qui ne connaissent pas la réalité du pays. La réalité de la souffrance de nos parents. C'est de cela qu'il est question. Mais un jeune peut aussi sortir d'un autre milieu. Non. Qui n'est pas celui où on connaît forcément le prix du pain, où on connaît forcément le prix de la tomate. C'est un critérium que nous établissons, vous comprenez? C'est une façon de dire qu'en fait, nous voulons d'un jeune à la tête de l'État qui en fait comprend la douleur des Camerounais, qui connaît les réalités ambiantes. On peut ne pas connaître le prix du pain et connaître... Non, c'est une allégorie, oui, c'est une figure que j'utilise pour que vous compreniez que c'est un jeune qui est imprégné des réalités du pays et des souffrances des Camerounais. C'est une façon de parler. Oui. Je vous ai compris. Hein. Nous allons prendre une petite respiration tout à l'heure. Je voulais vous demander, je vous demande, est-ce que vous comprenez la légitimité de ceux qui sont dans l'appareil de l'État, de ceux qu'on classe dans la famille des complotistes ou des comploteurs et tout le reste? Est-ce que vous comprenez quand même leur légitimité à vouloir aspirer, leur aspiration pour la magistrature suprême du Cameroun? Mais je l'ai expliqué dès le départ, c'est légitime. Comment quelqu'un qui a été ministre depuis Mathusalem ne voudrait pas être président, lui aussi? Mais en même temps, vous comment dites quelqu'un que... qui a déjà les comptes en banque bourrés, qui n'a plus vraiment, qui met tout à genoux, ne pourrait pas penser qu'il pourra accéder? Donc vous comprenez la légitimité? Non, c'est normal, voyez également c'est-à-dire l'ambition, nous ne pouvons pas criminaliser l'ambition. Et vous voyez également le danger que cela peut Monsieur représenter? Nous ne criminalisons pas... Non, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Nous ne criminalisons pas l'ambition des aînés, vous comprenez? C'est logique que quand vous êtes à une position A, que vous vouliez évoluer à B, vous comprenez? Nous criminalisons les moyens qu'ils utilisent pour accéder au pouvoir. C'est ça. Ça ne me dérange pas. Quand est né un ancien ministre dit « je suis candidat », moi ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'ils mettent la main à la caisse et qu'ils veulent utiliser cet argent pour accéder au dernier fauteuil. Ce qui me dérange, c'est qu'ils restent au pouvoir et refusent de travailler pour celui qu'il a nommé, d'exécuter les instructions et les ordres de celui qu'il a nommé, parce qu'il veut absolument que celui qu'il a nommé le président de la République sorte par la petite porte, soit mal vu des Camerounais, et que lui, il accède à la magistrature. Vous comprenez la logique? Je comprends. Donc, on ne criminalise pas l'ambition. Ce sont les moyens et les intentions qu'ils utilisent pour pouvoir y arriver. Vous deviez peut-être ajouter un mot dans ce chapitre politique, parce que nous allons prendre une petite respiration pour parler très légèrement de l'actualité. Ici, on parle très peu de l'actualité, avant de conclure cette émission. Non, je vais boucler sur la logique, c'est ce sujet sur le complot, pour dire en fait que le complot c'est sur 4 S ou 5. C'est comme ça qu'on théorise ça dans notre laboratoire. C'est 4 S. Premier S? Le premier S c'est la souveraineté. C'est-à-dire que le complot réside sur la souveraineté. La souveraineté engage à la fois les relations du Cameroun avec l'extérieur, notamment la France. C'est pour ça que les aînés qui sont dans le complot cherchent les appuis extérieurs. Vous avez vu même le candidat de 2018 du parti du Hold Up. Il nous menace avec les États-Unis, la France, ainsi de suite. Les aînés, il y a d'autres qui prennent les médailles en France, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça marche, la souveraineté. Donc ils jouent dessus. Il y a la sécurité. Deuxième S, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'il faut absolument mettre le grappin sur les forces de défense, le contrôle des forces de défense et de l'armée. Mais le président a joué fin sur cette affaire-là, parce que le ministre de la Défense qui est là actuellement, c'est vraiment un homme que lui-même il a choisi. Mais ils y ont mis quelqu'un à côté. Quelqu'un à côté, suivez mon regard.
ne prononçait pas. Qui est chargé de la gendarmerie, qui n'avait jamais été chef de bureau quelque part, qui n'a jamais rien dirigé ni chargé d'études, ministre une fois. C'est un diplomate, mais il est à côté du ministre de la Défense. Parce qu'en fait, il est chargé de le contrôler, mais pour bien maîtriser l'affaire, la sécurité. L'autre élément, c'est la sécession ou la séparation, c'est l'autre S. Mmh. Vous comprenez? Mmh. En fait, nous, faites allusion à quoi? À la crise? Oui, la crise dans le nord-ouest, sud-ouest, mais je vais. Nord-ouest, sud-ouest, mais j'ajoute aussi l'affaire Boko Haram. Boko Haram, vous comprenez? Tout à fait. C'est-à-dire, mais nous partons, en fait, les relents remontent en 1916, c'est-à-dire le 10 juillet, lorsque la France et l'Angleterre se partagent, la Grande-Bretagne se partagent le Cameroun. Mmh. Et donc, on anglicise une partie du pays et on essaie de francophiliser une autre partie, c'est-à-dire la nôtre. Mmh. Et 61, vous connaissez l'histoire. Mais les aînés surfent donc sur la sécession pour pouvoir mettre à mal le pouvoir de Yaoundé. Parce qu'en fait, quand Paul Biya pompe notre argent dans ces deux guerres-là, c'est pour asphyxier financièrement le Cameroun. Peut-être qu'on ne payera plus les salaires, les fonctionnaires vont se mettre dans la rue. Et la grogne dans la rue. Vous comprenez ce qui se passe, non? Mm-hmm. Donc, il y a aussi le social, l'affaire des enseignants. Mm. Vous voyez, on a planté... Nous allons prendre une respiration. Non, je peux finir avec les 4 S, avec les 5 S, ou bien je vais finir après. Celui, ce S-là, je voudrais qu'on le réserve... Il y en a deux encore, ok. Ouais. Après. Non, prenez le dernier. On va prendre le... Les enseignants. Oui, les on va prendre celui des enseignants après. Vous d'accord. Allez comprendre pourquoi tout à l'heure. D'accord. Le dernier S, c'est le mauvais sexe. Le S. Vous me regardez? Soyez plus clair. Ah, le mauvais S, c'est le mauvais sexe. Le mauvais sexe. J'ai compris. C'est-à-dire que... J'espère que les téléspectateurs aussi vous suivent. C'est-à-dire la logique, ce que nous appelons les sectes là, ésotériques, c'est une mauvaise appellation. Mm. C'est-à-dire que nous sommes embrigadés par la franc-maçonnerie. Faites très attention. Regardez simplement comment ça se passe. C'est-à-dire que la plupart des ministres aujourd'hui sont dans cette affaire-là. Je n'ai rien contre ceux qui sont dans la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix, parce que pour moi, c'est une religion comme une autre. C'est-à-dire, ça peut être, moi, je les considère comme les catholiques, les protestants, etc. Absolument. Le problème, c'est les pratiques qu'ils ont développées dans leur affaire-là. C'est-à-dire qu'ils obligent, pour que vous ayez un poste dans l'administration, il faut que vous y entrez. On vous conditionne pour entrer dans cette affaire-là. C'est ça qui est mauvais. Parfois, même, ils ont encore ajouté d'autres pratiques où il faut ramasser le stylo pour pouvoir accéder à un poste. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on n'a rien contre ça. Donc, il y a des bons francs-maçons et il y a des mauvais francs-maçons. Mais le pays est tenu actuellement par des mauvais francs-maçons. C'est-à-dire ceux qui nous rentrent dans ces mauvaises logiques-là et qui ont conditionné dans le pays l'accès à l'excellence, l'accès au mérite à ces genres de choses-là. C'est pour ça que ça traîne et c'est pour ça que vous voyez des aînés parfois dans les couloirs du pouvoir qui sont aigris parce qu'ils ont refusé parfois d'y entrer. On les a clochardés, on les a transformés en des loques humaines, pourtant des gens intelligents, des gens excellents. Donc, ce mauvais sexe, c'est le quatrième S. Je reviens au cinquième quand vous me l'autoriserez. Madame, monsieur, vous êtes sur LTM, vous êtes sur le Grand Salon. Nous discutons ce soir avec un homme politique, Valère Bessala. Il est le guide du parti Jouvence. Il est notre invité ce soir. Cette émission est en train de tirer vers sa fin. Nous prenons une petite respiration et nous venons parler d'un seul point dans l'actualité nationale, qui d'ailleurs fait partie des S, des 5 S qu'il venait d'évoquer. A tout de suite. Alors, le guide, on n'a pas vu le temps passer, hein. Pourtant, c'est pratiquement déjà la fin de l'émission. Je préfère considérer que l'émission s'efface. On aura le deuxième épisode. Nous sommes justement dans le cadre d'une série. Nous avons commencé avec l'alternance des acteurs. Aujourd'hui, nous avons pris un autre pan des acteurs en parlant de ceux qu'on classe dans la catégorie de ceux qui fomentent des complots pour accéder à la magistrature suprême. La série ne s'arrête pas ce soir. On aura forcément l'occasion, pourquoi pas, de vous ramener ici sur ce plateau pour parler d'autres aspects concernant l'alternance qui fait débat au Cameroun, puisque vous dites qu'il est temps. Le temps peut-être indique qu'on en parle aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, vous avez commencé à parler, à citer les S. Vous avez commencé à parler de la grève des enseignants. Nous n'avons pas voulu que vous en parliez et réserver ce S-là à cet instant précis, parce que là, nous parlons de l'actualité. La grève, elle a fait ce qu'elle a fait, elle a semblé s'estomper. Et puis on a eu l'impression ces derniers moments, ces derniers jours, que la grève, il y a des camps qui voulaient que la grève reprenne. Comment vous avez analysé tout ça? Il y a toujours un parfum de complot
ou simplement il y a d'autres analyses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais pourquoi vous ne voulez pas voir cette affaire dedans? Comment vous pouvez justifier que les enfants sortent de l'école? Ce soir, nous interrogeons le complot. On retient leur salaire. On a déjà, depuis 2012, le Premier ministre a signé ce décret sur, il a confié la gestion des personnels, la solde des personnels de l'État à chaque ministère. Donc ce n'est plus l'apanage du seul ministère de la fonction publique et du seul ministère des finances. Vous comprenez? Ça veut dire que tout fonctionnaire est géré dans le budget de son propre ministère employeur. Ça veut dire que si vous êtes du ministère de l'éducation de base, c'est ce ministre-là qui prépare vos états de salaire et envoie dans une disquette au MINFI, on introduit dans la machine, on vit vos salaires. Vous comprenez? Ce n'est plus comme avant. Ministère des enseignements secondaires, la même chose pour tous les autres ministères. Et leur texte disait clairement que quand vous sortez de l'école, en attendant que vous ayez l'entièreté de votre salaire, on vous donne les deux tiers de votre salaire. Comment vous pouvez donc retenir les un tiers du salaire de quelqu'un pendant 10 ans, Monsieur Koum? Alors que chaque année, les budgets de chacun de ces ministères tiennent compte justement de la masse salariale de ces ministères-là. Vous comprenez? Donc quand le ministre de la fonction publique, qui est le ministre des titres, a soumis, si c'est les enseignants du secondaire, les titres au premier ministre qui a signé votre décret d'intégration, vous allez le chercher, vous le ramenez dans votre ministère, votre salaire doit couler comme de source. Si c'est le ministre de la fonction publique lui-même qui a signé, on vous le donne, c'est fini. Mais ce n'est pas lui qui vous donne votre argent, le ministre de la fonction publique, c'est votre ministre utilisateur. Alors ils ont collé une précaution budgétaire. La précaution budgétaire, je l'ai expliqué il y a 2 mois. C'est-à-dire la précaution budgétaire est une mesure d'urgence en matière de finances publiques. C'est-à-dire que l'État, sachant peut-être que les moments qui arrivent seront difficiles, décide de geler une partie de ses ressources afin de prévoir qu'il répondra certainement à ces urgences-là. En cas de défaillance. En cas de défaillance, vous comprenez? Ils ont donc pris les salaires des enseignants, collé la précaution budgétaire dessus. Est-ce que c'est normal? Le salaire a un caractère alimentaire, M. Koum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas vous donner votre salaire parce que c'est de ça que vous vivez. Et le salaire est la contrepartie d'un travail, effectué. Vous comprenez? C'est là le grand complot. Donc ceux qui ont conseillé le président de la République de coller la précaution budgétaire au salaire de ses enseignants, c'est là le grand complot. Parce qu'en fait, ils pouvaient coller la précaution budgétaire sur une autre dépense, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement qui relèvent par exemple de l'achat des véhicules de l'État. Vous comprenez? On aurait pu dire au président que comme l'avenir est sombre, arrêtons d'acheter les véhicules. Souvenez-vous que l'ancien ministre... Mais vous savez également que le rythme d'achat des véhicules a quand même connu... Ah non, jamais, monsieur Koum, regardez. Faites un petit jeu. Non. Quand vous l'achetez le véhicule aujourd'hui, ce n'est plus comme à une certaine époque. Il faut aller prendre l'autorisation à la primature. Non, monsieur Koum, ces gens achètent les véhicules. Regardez seulement les immatriculations. Vous savez que les personnels administratifs ont gardé l'ancienne forme d'immatriculation, c'est-à-dire l'immatriculation à 10 000, à 10 000 indices. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas 10 000 véhicules, on ne passe pas à une autre série. On a la série D, bientôt vous serez à la série E. Je vois déjà les véhicules qui ont 9 000 et poussières. Donc ça s'achète tous les jours. Ils auraient pu coller la précaution budgétaire aux dépenses, par exemple, d'achat des véhicules, par exemple. Ou par exemple, aux missions. Il y a des gens qui sont assis sur place, qui font 1000 jours au fonctionnement. 1000 jours de mission étant assis sur place par an. Vous pouvez vous imaginer ça. On aurait pu le dire. Les séminaires. Vous vous souvenez que le premier ministre d'avant avait demandé qu'on arrête les séminaires, les colloques, les ateliers. Mais c'est resté. On a préféré sacrifier les enseignants. Ça fait partie du complot. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais dire qu'en fait, quand vous parlez des enseignants, c'est très malheureux, vous savez. On rigole de cette affaire-là, je vois des gens. Mais le complot réside en quoi maintenant? Le président a dit payer. Et qu'est-ce qu'il propose au président? Il faut échelonner jusqu'en août. Pourquoi ils échelonnent jusqu'en août? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources. Non, monsieur. Il y a des ressources pour cela. Ils échelonnent jusqu'en août parce qu'ils vont jouer entre-temps pour qu'il n'y ait pas de décret. Entre-temps, ils espéreront certainement que quelque chose arrive à notre président. Et puis peut-être ils pourront utiliser ça pour exploser encore ou imploser la population. Faites attention, monsieur Koum. Ce que je vous dis là est très sérieux. Ce n'est pas pour alarmer les Camerounais, mais c'est pour ouvrir les yeux à la jeunesse, pour leur dire qu'il est temps. Ça peut aussi être pour tirer la sonnette d'alarme. Mais c'est pour ça que je dis, tirer la sonnette d'alarme, merci, mais n'est pas alarmé. Pour dire à la jeunesse, il est temps, ouvrez les yeux, engagez-vous à politique. Vous ne mourrez pas de la politique. Vous ne mourrez pas de la politique, surtout en ces moments. D'ailleurs, si vous ne faites pas ce sacrifice, ce sont vos petits frères, vos enfants que vous aurez demain qui vont trinquer. Et ce sera parti pour 50, 60 autres années si jamais ces aînés ont raison de Paul Biya. Ils ne doivent pas avoir raison de lui. Madame Bessala, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de cette jeune émission, Le Grand Salon. Peut-être si vous aviez un dernier mot, nous vous donnons l'occasion de le dire et puis nous allons conclure et dire au revoir à nos téléspectateurs. Non, mon dernier mot, c'est
de prier la jeunesse de s'engager en politique, de soutenir les institutions de la République parce que nous voulons Cameroun toujours debout. Au-delà de ce que les aînés font, c'est légitime qu'ils veulent le pouvoir. Mais ce que nous réprouvons chez les aînés, c'est les moyens qu'ils utilisent et les intentions qu'ils ont pour pouvoir atteindre le pouvoir. D'un de deux, c'est que c'est aussi de sensibiliser notre père à nous tous, le président de la République. Moi, je ne parle pas de Paul Biya, je parle du président de la République, qui est l'institution suprême, pour qu'ils comprennent en fait que les Camerounais souffrent au quotidien et que cette jeunesse-là est attentiste. Elle compte encore sur lui pour qu'il change une ou deux choses. On ne lui demande pas de retourner le pays, on sait qu'il n'en a plus les forces. Mais en fait, de faire l'essentiel, c'est-à-dire de nous laisser un successeur ou alors quelqu'un qui ressemble à notre génération et qui soit un homme du quotidien de nos souffrances, pour qu'au moins on soit certain qu'il travaillera pour le Cameroun, comme lui-même il a essayé de le faire, il s'est évertué à le faire. Et troisièmement, de dire que qu'il fasse tout, parce qu'en fait, il n'est pas maître de la vie. Je sais que c'est des gens compliqués. Les gens comme le président, c'est des gens compliqués. Parce qu'en fait, c'est les gens à qui Dieu a tout donné. S'il avait eu son pouvoir des mains d'homme, certainement, il ne serait plus là. Son pouvoir vient de Dieu. C'est pour cela que peut-être il est encore là et qu'il continue à résister. Mais, qu'il sache qu'il n'est pas maître de la vie. Et comme il n'est pas maître de la vie, qu'il s'entoure de toutes les garanties pour que le pire n'arrive pas. Le pire pour nous serait d'être dirigé, gouverné par ses aînés qui, en fait, bloquent son héritage. Qui en fait ne veulent pas qu'il laisse un héritage à la postérité, qui en fait ne veulent pas qu'un jeune accède au pouvoir, un jeune qui connaît les souffrances des Camerounais. Voilà les trois messages que je voudrais passer aujourd'hui. Et de dire aux aînés, je sors définitivement que Bessala n'a rien contre vous, chers aînés. Je n'ai rien contre vous. Ce que vous faites ne m'intéresse pas du tout. C'est l'État qui m'intéresse. Tant que vous agissez dans le sens des intérêts de l'État, Bessala n'a pas de problème. D'ailleurs, ils ne sont pas tous mauvais. Vous comprenez? Ils ne sont pas tous mauvais. Il y a des ministres qui sont là, des caciques, qui travaillent bien. Mais pour ceux qui sont dans cette mauvaise logique-là, je n'ai rien contre eux. Nous parlons des idées, nous parlons de la politique, nous parlons de la succession, nous parlons de l'alternance. Moi, je parle particulièrement de la jeunesse au pouvoir. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette édition. C'était la quatrième qui parle des questions d'alternance au Cameroun en parlant de la magistrature suprême. Merci d'avoir regardé. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir.